Comment ça fonctionne ce truc encore? Tac, tac. Hop. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 avril de l'an de grâce 2024. Il est maintenant 14h et on va faire un peu de jeu vidéo. Qui est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? On a du monde? Oui, on a du monde, c'est bien ça. Hey, merci Gandalf pour ton... Ah, pardon, je recommence. Gandalf, j'arrive, donne-moi une phrase. Dis-moi ce que je dois dire. J'ai l'air épuisé. Et merci Boris pour ton prime, merci pour ton 41e mois. 41 mois sur un stream Tarkov, c'est beau. Mais dis donc, elle est magnifique cette raid rebelle derrière toi. N'est-ce pas? T'as vu que je l'ai incliné pour qu'on la voit mieux? Parce qu'avant elle était couchée et maintenant je l'ai un peu. Je l'ai pas coincé, mais tu vois, je l'ai. Hop! Et voilà. Et hein, c'est pas mal. Et au final, je cache que juste la boîte Diablo, donc c'est pas très grave quoi. Celle-là, c'est la moins importante. Les gars, regardez. Ça vous dit quelque chose ça, les gars? Ça, c'est le guest pass qu'il y avait dans la boîte World of Warcraft que j'ai acheté en 2004. Ce papier a 20 ans, les gars. Il est encore en parfait état. J'en ai deux. Non, ne ce n'est pas la peine de copier le code, chat. Vous savez aussi bien que moi qu'il est déjà expiré. Vous savez bien. Qu'est-ce qu'elle aurait dit si t'avais mis Red Rouge? Elle aurait dit Red? Non, elle aurait dit correctement, je pense. Putain, mes scènes sont de nouveau pétées. Ça me saoule, je dois le faire à la main, quoi. C'est ça que le bouton a pas marché. Ah là là. Blackbird Pex, Kemar, Black Dogs, Rem, Inaya, Fouras, Passoufle, Belge, NG, Briard, Nino, Napal sur YouTube aussi, Wazdaka qui met un 12e mois de Prime, un an déjà. Merci beaucoup Waz, merci beaucoup, je t'aime, tu es beau. Ça fait... Désolé les gars, aujourd'hui je suis épuisé, donc il faudra m'excuser, mais j'arriverai pas à aligner deux phrases, j'ai dormi fucking 3 heures. Tu devais travailler, tu crois que c'est pour... Non, mais tu peux travailler pendant que je fais mon stream, y'a pas de soucis. On peut faire les deux en même temps. Du coup, Gandalf, où es-tu? Gandalf, quand tu mets un 200% belge, il faut que tu mettes un peu une phrase, un... quelque chose pour un... tu vois, alimenter le... la matière grise. Ah, tu réfléchis? Bah, prends ton temps. Qu'est-ce qu'on se fait, les gars? C'est un peu de Tarkov ou quoi? Yo Monkey, pardon, j'avais pas vu ton nom, Monkey Badouche. Oh là là, mais... Helldivers, ah c'est chaud Helldivers, on pourrait en faire à l'occasion. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas prévu ça, c'est trop tard. Yo Hero, en fait quand je vous demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est je vous demande deviner ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai déjà décidé le planning évidemment. Un peu de BF 2042, bah j'aimerais bien le relancer, ça me ferait plaisir, mais... En même temps j'ai pas très envie. On dit Inaya, on prononce le T à la fin, c'est pas grave. Ok Inaya. Inayat, ok. J'accepte de prononcer le T. Je vais essayer de retenir. En plus tu viens souvent donc c'est ok. Donc là maintenant je peux pas cliquer sur mon stream deck, je dois venir ici et cliquer avec ma souris sur ce bouton là. Hop voilà comme ça. Chat, est-ce que le stash est rangé? Vous devez deviner. C'est compromis hein. Oh là là, bon attendez, est-ce que j'ai de la place pour faire un scav? J'ai pas vraiment de place pour faire un scav. Je voulais voir chez lui. Ah mais attendez, si je mettais le son les gars. Déjà, deux choses l'une. On va mettre l'autre playlist les gars maintenant. On va mettre celle-là. La musique, l'autre, elle est trop... c'est too much. C'est trop too much. Donc ça c'est fait. Alors toi, est-ce que tu me vois une Holodilnik? Ah, c'est Jaeger 2 la Holodilnik. Mais non, je suis chez Ragman. Ah, c'est Jaeger 2 la Holodilnik.
Bon bah Strijager 2. Après il nous manque 4 niveaux, ça va aller vite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Electric Motor, Farning Raid 3, Light Bulb 9. Pardon? Pardon? On va devoir aller sur Interchange les gars. Je pense que je vais la prendre. Qu'est-ce que je gagne? Putain, on est... C'est la fête ou quoi? Attendez les gars, mais c'est de la merde comme récompense. Je gagne 24 000 roubles pour 3 moteurs et 9 lampes. Ben non en fait, juste non quoi. Ça c'est non quoi. Exit Factory 2 fois. Ramener un horse. Bah c'est mort déjà ça aussi, je vais pas ramener un horse. Tuer 5 PMC avec un kill au thorax ou au stomach. On peut le prendre au cas où on l'a, c'est sympa. Mais de nouveau, c'est ridicule comme récompense. Salut Mister O6, salut Daddy. Bon les gars, on va un petit peu ranger. On va un petit peu ranger chat, j'ai pas le choix. J'ai pas envie mais j'ai pas le choix. Ça me fait déjà chier. Il faut que je réfléchisse un petit peu à qu'est-ce que je vais mettre où et de quoi est-ce que je peux me séparer. Pour l'instant, pas grand-chose. Ok. Voilà, toi, je peux te garder ici. Ensuite, là. Je mets tous les objets de streamer, en gros. En fait, ce que je vais faire, c'est ça. Parce que ça, je peux l'acheter chez le marchand, je pense. Ah, je peux pas l'acheter chez le marchand, c'est marrant, ça. J'ai pas droit au chargeur chez le marchand. Et ça? Ça, je peux l'acheter chez le marchand. Donc ça, ça dégage. En fait, est-ce que je peux acheter les grands chargeurs chez Peacekeeper? J'ai les grands pour 34$. Pourquoi je me fais chier avec les petits, alors? On va juste se séparer de tout ça. Les Wyatt. Ça, c'est pour le M700. En vrai, je vais pas l'utiliser avant longtemps, le M700, donc je peux m'en séparer aussi. Là, on va se faire des dollars, les gars. Là, c'est parti, là. Ok, ça, ça part. C'est de la HP, ça. La HP, je refuse de jouer avec. Ça, c'est juste non. Ensuite, ça, ça dégage. Ça, j'en ai besoin pour une gunspeed, donc je la garde. C'est là que je compte jouer avec à un moment quand j'aurai plus rien. En vrai, le M700, je vais probablement l'utiliser en moment, donc je vais le laisser là. Et là, c'est la partie où je me demande un peu ce qu'on va faire, quoi. Tac, tac. Je sais plus s'il faut des vases, Farning Raid. Les Ushanka, il en faut 2 ou 4, j'ai oublié aussi. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Et alors maintenant, on va essayer de ranger dans des rigs les différents trucs qu'on garde, tu vois. Genre ça, ça peut venir là. Le Bulbex, on va le vendre en fait. Le Coca, ça va être utile pour la Holodilnik. Touchanka sera pour la quête. On en a peut-être pas 15, mais on en a quand même pas mal, hein. Là, ça part. Ici, on a quoi? On verra ce qui reste après, parce que je sais plus ce qu'il faut, donc je prends un peu tout. Mais je vendrai à l'occasion. Je veux pas que ce soit urgent. Ok. Genre ici, ça, par exemple. On peut faire ceci. Hop. Et en fait, là, il n'y a plus rien. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est ça. Ça. Quasi sûr que tous ceux-là ils peuvent dégager. Ah non, le herring il faut le garder. Et le rat de cola aussi. Et du coup, celui-là est plein. Il peut aller là-dedans. Et maintenant, bing, bing. Ok. Et là, ici, on a déjà rat de cola donc ça peut partir. On garde juste le herring. Et ça peut partir. Et ça va chez Jaeger. Ophtalmoscope, je vais les garder. Je crois qu'il en faut pour je sais plus quoi. Ça, je l'ai. Ok. C'est un herring, ça? Non, c'est un sorry.
Et maintenant, on va vendre à skieur qu'on met aussi longtemps à monter. Alors, qu'est-ce que j'utiliserai jamais ? Ça, j'utiliserai jamais. Ça, j'utiliserai jamais. Tout ça, je garde. Tout ça, je garde. Ça, je garde. C'est de la 856. Ça, je l'utiliserai jamais. La PPSH, laisse tomber. Je peux pas jouer avec. Ça, je vais le vendre. Pas pour tout de suite. Ça aussi, je m'en fous un peu. Ça, je jouerai jamais avec, les gars. Il faut se rendre à l'évidence. C'est mort. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Hop. Ensuite, maintenant, si je viens là, j'ai encore une case vide ici. Là, je peux faire ceci. J'ai envie de garder le hat, mais c'est juste parce que j'ai envie de garder le hat. Oh my god. Ça, je le garde, ça, je le garde, ça, je le garde, ça, je le garde, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ça, je garde. Voilà. Et maintenant, je peux auto-sort. Et faire un mini Tetris vite fait. Tac. Je suis quand même 10 fois meilleur que le jeu pour faire ça. Ah, je suis peut-être pas 10 fois meilleur, ok. Ok, donc on va faire ça et ça. Je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà, et là on a gagné la place quand même. Là on a gagné full place. Voilà, là on est beau là, là on est beau. Yoki Warriors. Celle du horse, c'était fait en 2-2 et c'est gratos. Mais les horses, c'est interdit. Les horses, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire les horses. Là, par contre, c'est rentable pour le coup. Allez, vas-y, on va la prendre. Mais c'est vraiment... C'est interdit parce que point d'exclamation horse, quoi. Yo, LK, merci pour ton 49e mois. Merci beaucoup. J'ai l'impression que t'as sub pour ton 48e mois il y a 2 jours, quoi. Ouais, mais peut-être pas au niveau 11. Esteban, les quêtes sont proportionnelles à mon niveau et donc t'as des meilleures quêtes quand t'as plus de niveau. Là, moi ici, à mon niveau actuel, j'ai que des quêtes de merde. J'avais oublié que j'allais récupérer tout ça. Pas vous mentir, là, je suis un peu inquiet sur ma capacité à remplir mon stash. Ah, il y avait du stuff dedans ? Ouais. Ok. Et en vrai, ça, je peux faire receive all et ça passe ? Ça passe, mais... C'est pas très bien rangé, hein, les gars. C'est pas très très bien rangé. Attends. Parce qu'en fait, je peux faire ça et ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je peux faire ça. Et voilà. Je pense que comme ça, c'est ok. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel de ouf, les gars. Ouh, c'est très beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Voilà. C'est pas si mal, ce qu'on a fait. On va faire le warm-up en scav. Je sais qu'il faut prendre des chargeurs et tout. Normalement, j'en ai un qui traîne ici. Non ? Vraiment ? Ah non, mais l'autre, il est dans le... Il est ici. Hop. Et ici, l'Odamo. J'ai de la PS. On va prendre de la... L'Odamo FMJ. Ok. Et puis j'ai de la SP qui va traîner dans mes sacs, qui peine du 2, quoi. Mais bon, ça, j'ai pas le choix. Où est-ce qu'elle est, la SP ? Pourquoi elle est pas là, j'ai classé ? Ah, mais j'en ai là. J'avais pas vu que j'en avais autant. Ça, c'est cool. Ok, on va faire... Ah, mais elle est là, ma SP. On peut faire ça. Et là, j'ai quoi ? Ah, c'est de la FMG de... Ok, ce calibre-là. Ça, je me doute que ça va être du 5,56. Ok, ça c'est pas mal. Là, on a un kit pour après. Ok, on va mettre de la PS en première.
Ouais, donc là j'ai 3 chargeurs plus 2 chargeurs, donc j'ai bien assez de chargeurs. Tout le reste c'est Gucci, ok. Et c'est du 4 ça? Ouais, c'est du 4. Ok, on va lancer un petit scavenger change pour trouver des moteurs et des ampoules. Et voir un peu ce que vous racontez comme bêtises, les gars. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je sais pas, Rem, j'ai pas été vérifié, mais c'est vrai qu'il y a un patch. Tout est en limite perso. Ah, ça serait cool ça. La fin des limites globales, ça c'est un truc de fou. Sub et anniversaire, c'est pas la même date. Oh, boubou. Yoawa. Le premier truc que j'ai acheté quand j'aurai le flea market, probablement une pièce random pour un gear, genre un sordine, tu vois. C'est vieux ce jeu, ce streamer dit. Ben non, tu rigoles ou quoi? Je suis pas si vieux que ça. Comment tu vas, Trival? Non. Bonjour, Zé, bonjour à tous, bien, merci à toi. Je suis fatigué aujourd'hui, les gars. Je suis fatigué, j'ai excessivement mal dormi. Je dors mal ces derniers temps. Ils ont réglé le crab walking. Ouais, j'ai vu ça. Apparemment, maintenant, t'es plus entièrement silencieux quand tu marches doucement. Yo, Canton. Donc, apparemment, ça, c'est la nouveauté du moment, quoi. Le fait d'avoir retiré les limites globales, j'ai l'impression qu'ils m'ont entendu. Je sais plus si on en avait parlé ou si c'était dans mes notes pour le prochain Feature Friday. Mais en gros, on allait en parler. Les trucs dont j'allais parler, c'était le prestige. Les trucs dont on a parlé souvent dans le passé, c'était le prestige. Le fait d'indiquer la pénétration et les dégâts des balles dans le jeu. Les limites globales des traders. Et tous ces trucs-là, on en avait déjà parlé plein de fois et c'est enfin parti, quoi. C'est ce qui fait que les marchands ont une limite de stock. Petit chavert pour pas seulement toi mais tout le monde. Donc tu vois, quand tu vas chez un marchand et que tu veux acheter par exemple le premier jour du wipe un MP133, Jaeger n'en a plus alors que tu ne lui en as pas acheté. Ça c'est à cause de la limite globale. En gros, tu peux toi acheter maximum, je sais pas moi, 3 MP133 chez Jaeger. Si tu en achètes plus que 3 avant un reset, il t'en vendra plus, même s'il en a. Par contre, il en a que 1000 en stock, donc si 333 personnes en achètent 3, bah, il n'y en a plus pour toi, même si tu n'en as pas acheté. Et donc c'est un peu un truc qui pose problème avec, très spécifiquement, il me faut un grand beef stew là pour info. Il fait bien sombre, et du coca. Très spécifiquement, tu vas avoir ça avec la black keycard. C'est que tu vas vouloir en acheter une et au moment où tu l'achètes, il dit qu'il n'y en a plus. Pareil pour la carte Labs, tu vas vouloir l'acheter et va te dire qu'il n'y en a plus. C'est parce qu'il y en a que 10 en stock pour la planète entière, quoi. Et du coup, ben, s'il y en a 10 en stock pour la planète entière, t'as pas le temps de cliquer, il y en a pas pour toi. C'est aussi simple que ça. Les BTC... Ouais, tous les objets ont... En fait, c'est le... Ah, j'ai cru que c'était mes beefs, tout. Je vais les prendre, donc ça se vend genre 15k, si je dis pas de conneries, à Jaeger. Et c'est toujours ça de prix. Mais j'ai un trop petit sac, il faut qu'on trouve un... Ok, on va prendre un risque. On va aller... Le SJ9, c'est celui qui met le thermique, hein, c'est ça? Bonne température, ouais. Ah bah c'est ça qu'on veut. Alors toi tu pars. Oh yes. Ah non, bah squash ça se vend bien aussi. C'est un herring? C'est un herring, on prend. Et l'eau. Tarkola, yes? Sorry? I need Tarkola. Tarkola? Oh non, sorry. J'ai tout pris. Tu peux pas lui donner, j'ai tout pris. Moi aussi, je need Tarkola. C'est marrant comme il m'a parlé en russe d'instinct, quoi. Yo, moi que c'est moi. Moi, c'est moi, pardon. Aujourd'hui ça va être dur, les gars. Je vais vous raconter des trucs, je vais dire des trucs, vous allez dire mais enfin ce qu'il vient de dire n'a aucun sens. Est-ce que cet homme a encore un cerveau? Et là je vous dirai, est-ce vraiment un homme? Comment vous supposez que je sois un homme, quoi? Le retour de Coca-Cola Man. Mais c'était lui Coca-Cola... C'était lui? Ça va pas du tout, chat. Ah. No space, euro.
Il est où le bitcoin? Chat, vous avez mis où mon bitcoin? C'est-à-dire qu'à une époque, on venait ici à toutes les parties, et à toutes les parties, il y avait quelque chose, et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Avant, tu venais ici en scav, t'avais un, voire deux bitcoins sur une game, ou alors une roller, quasi 100% de chance. C'est vraiment dommage qu'ils aient nerfé ce truc-là, quoi. Tu l'as mangé, le BTC? Bah, ça me surprend pas de toi, quoi. On va aller voir le... Ah, non, je vais trouver un sac. En vrai, là-dedans, j'ai ça qui m'intéresse, ça qui m'intéresse, et j'ai assez de touches en cas pour valider ma quête. Je pense que j'en ai déjà 15 dans mon inventaire. Je vais pas vous mentir, si j'en ai pas 15, je vais être au-dessus de 12, tu vois. Donc là, avec cet extract-ci, en supposant que je meurs pas, je valide ma quête à 100%. En plus de valider celle de ça, qui est vachement important. Alors, LCD... Donc là, j'ai un peu envie d'extract, mais j'ai plus envie de trouver un gros sac à dos, je t'avoue, quoi. Et pour trouver un gros sac, il suffit de regarder en face de la caméra. Non, il faut que j'aille dans un endroit où il y a un peu de kill, donc je vais aller voir à Techno Tech Light s'il n'y a pas... s'il n'y a pas eu des petites folies. En vrai, ça n'a pas été looté, j'ai quand même surveillé vite fait. Un IFAC, c'est pas mal. Chat, est-ce qu'il faut un SG9 pour sample depuis qu'ils ont rajouté le SG9? Dites-moi un peu. Celui que je viens de jeter là, il n'y en a pas besoin pour sample. Hein. Parce que je sais qu'il y en a plein qu'il faut pas, genre il faut pas de morphine, il faut pas d'adrénaline, des trucs comme ça. Mais ce serait con de manquer le... Yo, salut à vous deux les gars. J'ai un casque audio ou pas? Non. Non, c'est bon, ok. Et j'ai l'impression que ça vaut rien, ce truc-là, en plus. De tous les stimulants, je pense que c'est celui qui est le moins utile, je dirais. Ah, ça fait plaisir ce que tu dis, merci beaucoup. Petit casque audio? Non. Il y avait une chance d'avoir un horse ici, mais il n'y en a pas. De toute façon, est-ce que je l'aurais vraiment pris, le horse, les gars? Bon, là, on a quand même un peu de thunes sur nous. Combien de temps il reste? 18 minutes, donc on est plutôt en fin de round. Je crois qu'on est dans une dead game, les gars. Le fait qu'il y ait peu de tirs, c'est pas surprenant, puisqu'on est en fin de round, peut-être que tout le monde est déjà mort. Mais il n'y a pas de body, quoi. Donc c'est-à-dire que c'était juste une partie où il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, on est 14h un lundi. Tout le monde est à l'école, tu vois. Mais je serais pas surpris de trouver du stuff ok là où je suis. Non, je vais même pas ouvrir. J'ai juste à ouvrir la boîte devant moi en me disant s'il y a... Ah. Oh, mais lui, il a exactement ce qu'on veut, quoi. Il a un grand sac. Yo, aïe, merci pour ton premier mois. Non, pardon, ton 10e mois, il me semble bien. Merci pour ton 10e mois, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Comment on prononce ton pseudo? T'es niveau combien? Je suis niveau 11, mec. On a démarré le wipe il y a 2 jours. Hein. Enfin, j'exagère un peu en disant 2 jours, mais tu vois ce que je veux dire. Alors ici, les chances qu'il reste du stuff sont excessivement faibles. Je pourrais prendre son rig. Il me faut des ampoules et des moteurs. C'est pas les trucs qui vont être lootés, ça. Donc ça vaut la peine de passer, même si ça jette. Il y aura pas de GPU, c'est sûr. Mais on peut trouver des ampoules et des moteurs. Visiblement, ça a pas été très très bien looté, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ceci. Moi, ce que j'aime bien, c'est rendre fou les gens qui me butent, tu vois. Et donc, je vais faire ça.
Juste pour ça va les rendre dingues, ça. Ah, vas-y, les gars, mieux vaut avoir 100% de rien du tout. Y'en a qui se disent, ah, j'ai déjà 3 trucs, vas-y, je vais extraire, ça vaut beaucoup d'argent. Et moi, je suis là. Putain, imagine, j'en ai 4, ça serait tellement stylé. Et du coup, je viens et je fais des raids comme celui-ci, tu vois. Petit gaz anal. Le gaz anal, c'est important, les gars. Ok. Hop, y'a rien. Ah, c'est marrant, tu t'es fait... Ok, daddy, je vois le message que t'as mis pour te faire ban. T'as écrit l'ACG et t'as mis un point entre les deux, mais t'as pas mis d'espace. Du coup, le bot pensait que c'était un lien. Et du coup, il t'a envoyé paître. Mais je sais bien que c'est pas un lien que t'as mis, je sais bien. Ok, et là maintenant il faut faire ça, 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 et là en fait ce que je dois faire c'est ça quoi. Ah ça passe pas, ok. Là on commence à être pas mal les gars, on commence à être pas mal. Parce que lui il a une body armor. Je pourrais prendre le rig et le mettre dans mon rig. Et ça me permettrait d'avoir encore de la place en plus. Je devrais le faire en fait parce que ça m'offre un carré. Ouais, j'ai peur de ressembler à un PMC si je fais ça. La raison pour laquelle je veux pas, c'est parce que j'ai peur de ressembler à un PMC si je fais ça. Voilà, ça si on bute, le mec il va devenir dingue. Non, c'est pas une blague, hein, les gars. La raison pour laquelle je le fais, c'est pour pas ressembler à un PMC. My bad, au fait, le GPU. Désolé, j'ai pas fait exprès. My bad. En vrai, c'est my bad. La 5ème CG, incroyable. T'as encore rien vu, mec. On est qu'en début de raid, là. When l'update où je tire là-dedans et ça explose comme une grenade, quoi. Et si je tire dans un bidon de fuel, ça explose comme un molotov. Ça manque de molotov, ce jeu. Ah mais ils ont retiré mes ordi hein. Les Wears en font beaucoup pour la planque. Ouais, je sais, je sais. C'est ce que je me suis dit. J'en ai déjà une quinzaine, mais il en faut clairement plus. Et au moment où je suis parti, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce content que je le prends de pas te revoir, je suis petit que 3. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton 4e mois. Ça fait super plaisir de t'avoir aussi. Merci beaucoup Skizoff. Je crois que ça a déjà été looté les gars. Merci beaucoup pour tous vos subs les gars, ça fait super plaisir. Ouais, ça a déjà été fait ici. Je pense qu'on va extract avec ça. Ouais. Je vais faire l'autre room. Ça fait plaisir de te revoir. Yo Kain, merci beaucoup K55 pour ton 5ème mois justement. Merci beaucoup à toi. Ah, là, la porte est fermée, donc il a pas fait toutes les pièces. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, les gens font juste celle à côté d'eux en passant, mais ils font pas tous les bureaux comme moi, je suis en train de le faire ici.
Ah non, il a juste fermé derrière lui. Ouais, ok. Deux PC vides, à mon avis, les autres sont vides. Plus petit que 3. Ouais, je suis sur Twitch, PsychoQuack. Je fais Twitch et YouTube maintenant. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont pas hyper fans de Twitch et que maintenant que c'est autorisé, je fais les deux. Aucun intérêt de le faire sur un seul réseau. Avant c'était interdit, maintenant ça l'est plus. Venuka. Plus petit que 3. Attends, quoi? Ah oui, ok, schizo. Bah tu vois, j'ai même pas lu, j'ai juste écouté le TTS. Et je me suis dit qu'il avait lu plus petit que 3. Mais en fait non, il l'a écrit mot pour mot. J'ai même pas réalisé. C'est à quel point c'est devenu méta, quoi. Salut Deval, salut Rabbit, salut Fox. Alors le loot, bah on a trouvé le sac trop tard, C'est vrai Flex? Ah c'est marrant. Moi je suis pas du tout comme ça hein. Il y a un scav devant moi, vous l'avez vu là? Il va être là. Il nous faut des iskras et avant cette boîte elle spawnait un iskra à 100% mais ils ont réparé mon bug. Oula. Bah, c'est midway pour tout le monde, mais pour moi ça c'est beaucoup tu vois. À l'échelle de mon compte, ça c'est plus que ce que j'ai sur mon, dans mon stash. Là j'ai un bon sac, j'ai un bon... Genre ça pour moi c'est big tu vois. Parce que je peux pas, j'ai aucun moyen de l'avoir, j'ai pas accès au market, j'ai pas accès au craft. J'ai la quête farming à faire donc il me faut le GPU. Et j'ai même pas le cash pour m'acheter un... Donc ça, tu vois genre c'est... genre ça pour moi c'est entre guillemets l'item le plus important que j'ai eu avec le takedown tu vois. Parce que ça va partir chez les marchands. Mais après le cash j'en ai besoin aussi donc au final c'est pas perdu. Genre ça, je peux pas en avoir autrement. Genre j'ai du... Il y a des pièces qui ont de la valeur parce qu'elles valent de l'argent, mais il y a des pièces qui ont de la valeur parce que je ne sais pas les obtenir, donc je suis assez content de les avoir eues. Streamer loot? C'est pas du streamer, c'est du normal loot, les gars. Vous avez le même loot dans vos... J'avais ce loot-là avant d'être streamer, hein. À ce qui paraît, en plus, street, c'est 10 fois pire, les gars. Et je vous reconnais, vous êtes tous des scavs de street. Je vous reconnais, les gars. Attendez, on va juste faire un petit peu de vente. Ce qui est bien, c'est que là, on a quand même vendu quelques bons trucs, là. Je sais plus s'il me faut un pox ou pas. Attends, ça, je vais... Ok, voilà, ça, je vais ranger ici. Non, ça, je vais laisser là. Donc là, il est tout shankai, il faut arrêter d'en prendre maintenant, c'est fini. Lui, il va disparaître, parce qu'on a fini la quête. Ça, on va le laisser pour la quête plus tard. Et ça, ça part chez le marchand. Ça aussi. Ça aussi. Et en vrai, le petit GPU, on va le mettre là. On va faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Ok. Et ça, ça part comme ça. Voilà. Et maintenant, là, je suis prêt. Et la question, c'est à qui est-ce qu'on va vendre tout ça ? Parce que Jaeger il a assez, on va vendre un peu à Skier. Parfait. Je sais les gars que si je vends un thérapie c'est 75 000, je sais. Mais c'est pas de la thune qu'on veut les gars. Ce qu'on veut c'est des dollars. Je veux que quand je sois niveau 14, ici il y ait écrit 11 000. Et pour l'instant on n'y est pas. Ça c'est du 2 quoi. Ah non c'est du 3 parce qu'il y a des plaques 3. C'est du 3 aussi. En vrai, je sais pas m'acheter de 3, donc je vais le garder. Je peux pas avoir mieux. J'ai très envie de vendre la keycard, mais on va attendre un petit peu. Je pense que je peux finir ça chez Jaeger maintenant. Ah non, c'est les iskras. Putain, les bifsos, ils ont déjà. Il faut vraiment des iskras, quoi. Bah attends, qu'est-ce que j'ai comme quête en fait?
On doit faire customs. ...206, morphine... Ah, oh, on avait pas fait la pocketwatch parce qu'on s'était fait tuer juste... Bah, let's go, hein. Ils ont nerf street. Non mais toutes les maps sont bien pour certaines choses. Genre si tu veux, c'est vrai que si tu veux trouver des bons kits PVP, réserve c'est une bonne map. Avant plus, je pense comme 1 million. C'est marrant. Je sais pas si on fera un peu de PZ aujourd'hui, Flex. Comme je suis vraiment fatigué, à mon avis, ce sera un stream assez court. Et s'il est court, on fera peut-être que du Tarkov. Si ça se peut, le stream, il va durer 2 heures, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas trop... Faut voir comment je me sens après. Blue Folder, non, j'ai jamais drop de Blue Folder. Je sais même pas ce que c'est. C'est peut-être pas à moi que tu demandes, en fait. Ou les Rogue Lighthouse. Ouais, les Rogue Lighthouse. Labs est meilleur, mais ne sait pas aller en scav sur Labs. Ça va, Peach? Tu as le poil doux, tu as le poil soyeux, mais surtout le poil sur mon clavier, donc tout en va. Peach, je vais te... Tu deviens vite vieux. Oh, j'étais vieux avant... Depuis longtemps. Non, c'est juste que j'ai pas dormi cette nuit, du coup je suis épuisé, c'est tout. Je suis arrivé sur le stream, j'étais crevé. J'ai dormi 2h30, 3h cette nuit et c'était pas assez. Je suis né vieux. Bah, je suis né à 55 ans. Hein. Personne sait, c'est ça. Mon âge est une inconnue. Vivement le build 42. Ça va être chouette, ouais. J'espère que je serai mort avant le build 42 quand même. J'ai pas les cheveux gris, je vois pas de quoi tu parles. C'est juste que le soleil met beaucoup de lumière sur mon visage. Et c'est ce qu'on appelle de la... Mais comment ça s'appelle encore? C'est juste surexposé, mes cheveux sont surexposés. En réalité, ils sont noirs foncés, quoi. La réverbération, voilà, c'est ça. La réverbération, c'est l'écho, quoi. C'est Benjamin Button, il va rajeunir. Non, je suis né vieux et je vieillis plus. En gros, moi, c'est l'opposé de Benjamin Button. Je nais à 100 ans et je vais jusque 200, moi. Une petite carence en vitamine C. En vrai, c'est pas impossible non plus, hein. J'étais chez le médecin l'autre jour. Et on a fait une prise de sang. Prise de sang, pour ceux qui savent pas, c'est quand elle vous prend 100 francs, quoi. Et non, c'était pas drôle, on arrête. On la refera une autre fois. Bref, on fait une prise de sang. Et c'était un truc général pour faire un check-up et tout. Parce que j'avais des maux de tête. Et en gros, elle m'a fait, ouais, la vitamine C, je sais pas si c'est mesuré en pourcent ou en unité ou en milligramme par je sais pas quoi. Je connais pas l'unité, tu vois. Mais en gros, elle me dit, ouais, voilà, vitamine C, généralement, les gens sont entre 30 et 80. Et genre 30, c'est vraiment bad. Il faut prendre il faut faire une carence, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je les ai, elles sont là, je dois les prendre tous les mardis. Mais elle me dit, ouais, c'est bien si t'es au-dessus de 70, tu vois. Et je sais pas si c'est des pourcents, je sais pas si ça va jusque 100 ou j'en sais rien. Je connais pas l'unité. Moi, j'étais à 2, quoi. Et elle me dit, les gens sont vraiment 30, c'est bad. Et il faut être au-dessus de 50, 60 pour que ce soit OK. Et je me dis, ah, ouais, tiens, ça, c'est pas ouf. Donc, on a fait une petite carence, quoi. Donc là, je prends de la vitamine D, pas de la vitamine C, pour le coup. Faut manger des fruits. Non, vitamine D, pas vitamine C. Vitamine D. Donc, le soleil, quoi. Ce truc là, le truc où je mets les rideaux. Mais apparemment, et ça c'est valable pour toute l'Europe en l'occurrence, mais toute l'Europe du Nord est en carence de vitamine D, ça c'est normal. Mais elle me dit, ouais, toi c'est quand même un petit cran au-dessus, donc on va faire quelque chose, quoi. Mais c'est assez fréquent que dans nos pays, on doive, surtout en hiver, faire une petite cure, quoi. Ah, mais avant d'être streamer, j'étais pas streamer, hein. Donc, j'avais moins d'excuses, mais j'étais gamer, quoi. Pourquoi j'ai un casque de merde, là? Ah bah non, c'est le Taxport, c'est de la merde.
juste ramasser les nombreux secrets qu'il y a ici. Quoi? Putain, mais ça c'est Mastache quoi. Je suis déçu. Choqué et déçu. Bah ouais, déval. Rien à voir avec les vitamines, mais tu détestes le FOV de Tarkov. En plus, il est au max là. Je trouve qu'il devrait être plus large ou plus étroit. Attendez les gars. Putain, mais ça, y'a moins de... Ok. Ah non. Ça tremble beaucoup trop, chat. Je le vois pas. Je crois que c'est sur moi qui tirait en plus, que ça claquait quand même pas mal. On va aller faire les vestes de Customs, de Dorms. On va faire comme une dernière fois, on va faire toutes les vestes, tous les tiroirs. On va espérer choper une 206, et si on la chope, on fait la 206, et puis on s'en va. Ah, vous savez ce qu'on a oublié, chat, le soin? Ah non, on a juste pas de splint. On a juste pas de splint. Donc là, ce qu'il faut absolument pas faire, c'est une fracture. Je conseille pas d'orme avec ce loot. Je préfère large. Bah là, c'est au max, donc y a pas plus. Saut du troisième, petit défi. Il y a que deux étages. Donc ça, c'est le premier, quoi. Oh. Je crois qu'il y a Gringoletto qui est dedans. Les gars, juste question importante avant qu'on meure. Pour vous, ça, dans le jeu, quand vous communiquez avec vos potes, c'est le rez-de-chaussée ou c'est le premier? Ok. Là, les gars, c'est l'opportunité pour moi de faire du gaming. On voit, c'est fort sombre, hein. J'ai jamais fait de kill cross dorms comme ça, ou très très peu. C'est pour ma gueule ça, non? Là. Il est là. Il y a un mec là. Qui tire sur un gars qui est là. Il y en a un qui swag à mon avis, ou alors il a fait son kill, je sais pas. C'est con, toutes les portes sont fermées. Bon, whatever, on va looter. C'est pas fini, on dirait. Moi, je suis là pour avoir des Iskra et une 206, donc... C'est vraiment que de la merde, hein, chat, ce qu'on a là. Rez-de-chaussée, vous appelez ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent 1 parce que les chambres commencent par 1 et 2 parce que les chambres commencent par 2, tu vois. Ce qui est aussi cohérent. Non, j'ai pas le market, ça sert à rien. Après, je pourrais le prendre et le vendre dans deux niveaux, tu vois. C'est évidemment pas impossible.
Ouais, je vais arrêter. De toute façon, il est mieux équipé que moi pour me tuer. J'ai activé le DLSS, Billy. Mais je réalise la raison pour laquelle je vois rien. C'est parce que j'ai probablement plus de poste fixe vu que j'ai réinstallé le jeu. Non ? C'est bien ce qui me semblait, ça. Putain, je sais plus ce que je mettais, les gars. Je sais plus ce que je mettais. Colorblind mode. Oh, des barres. Il y a un monde où ça va me flinguer dehors, quoi. Ah, mais c'est un Wallach maintenant, ce. Ah, mais je joue pas au même jeu, chat. C'est genre. C'est pas le même jeu. Si vous pensez que c'était le même jeu, c'est pas le même. Hein. On vient de changer de jeu là. On est sur Project Tarkov. On voit quelque chose maintenant. Il y a quelqu'un avec moi dans l'appart, je pense. Oh, viens le looter. I beg you, viens le looter. Oh, I beg you. Sois greedy. Vraiment? Pas cool ça. Pas cool. Pas cool chat. C'est vraiment pas cool. Je sais pas si c'est un scav qui m'a tiré dessus d'en face. Parce qu'il a un peu tiré comme un scav, le mec en face. Je peux me faire tuer à travers la porte, ouais. Moi j'ai peur du mec qui va monter là. Parce qu'il y a toujours un type en face, on l'entend, tu vois. Et il tire avec un silencieux, et ici je me suis fait tirer dessus avec un pas silencieux. En vrai, il me protège, hein. Je pourrais ne pas le tuer, quoi. Merde. Non, il sait que je suis là, évidemment, l'autre en face. Normalement, en face de la salle de bain, j'ai des vestes. Elles sont passées où, mes vestes? Ah, ça, c'est foireux, quand même. Ah, je les ai déjà faites. Vraiment? Ah, je suis déçu. Prends son loot, à qui?
Mais la limite dans les options, elle est au max, je pense. Graphics. Y a pas en fait. Alors je suis teubé. Vraiment là? Ah ouais, à travers le rideau? J'étais sauvé par le scav quoi. Le SSR, je pense pas, non. Je pense pas l'avoir mis. Les voisins sont pas commodes, non. Ça, c'était un joueur en plus. Qui est sûr que c'était un joueur scav? Je vais le prendre au cas où on manque cruellement de balles à un moment. En vrai, 6B47, c'est mieux que ce que j'ai, quoi. Il y a le scav avec son masque à gaz et il y avait le mec avec son pilgrim. Mais je pense pas qu'il ait attendu 2 heures ici en bas quoi. À mon avis on est tranquille. Juste un petit peu embêté de pas pouvoir aller en face. Une paire de lunettes, ça, non? Ça, c'est 100% une paire de lunettes, les gars. Est-ce que j'ai vraiment la tort, tu vois? Est-ce que je veux vraiment garder la tort? Ghost, what the fuck is this? Face cover, half mask. Oh, c'est une ghost, mais... Oh, c'est stylé. Zavodskoy, ah ouais, donc c'est bien les copains à Rechala. C'est bien eux quoi. Yes, là je suis content les gars. Merde. Là où je suis un peu surpris, c'est que au niveau 36, il soit avec une AKSU quoi. AKSU Monstrum. Il s'est pris un vieux one-tap de Zavodskoy de super loin quoi. Bon, j'ai quoi? J'ai 3 chargeurs. Chargeur plein, chargeur plein, chargeur plein. J'ai 4 chargeurs et je suis full. Et j'ai de la PP ici, donc en vrai... Si je prends ma grenade, il va me push. C'est peut-être un scav, tu vois, c'est ça le truc.
Il y a un monde où c'est un scav. Salut Tuzad. Ouais, le pilgrim, il a peut-être juste tué Shala, il est parti, c'est vrai. Flash et tu sauras, ouais, j'avoue. C'est un PMC, ça, non? Je suis Bobby de... Où est-il? C'était bien le gars qu'on cherchait, ok. N'importe quoi là. Mais c'est un truc de ouf les scaves qui se posent dans tous les sens là. Genre y'a toujours des joueurs en face quoi. J'ai envie d'extraire son AKSU, je t'avoue. C'est juste que j'aimerais bien aller en face. Juste pour pouvoir choper la clé de... Parce qu'en fait, il faut que je chope la clé là en haut pour aller choper la Pocket Watch. C'est pour ça que j'attends depuis une heure, là. C'est que je veux la clé de la Pocket Watch. C'est juste ça, les gars. On va monter McDrills un peu. Il y a eu un bruit près de moi, vous avez entendu? Merde, j'ai jeté un chargeur qui m'intéressait. Putain, où est-ce qu'il est? Voilà. Ok. Bon bah, un peu sous l'aide, mais je vais essayer d'aller choper ma clé, quoi. Ou alors je réextracte. Je crois que le mec il m'a entendu là. Mais j'ai pas forcément envie, je veux juste faire ma quête, les gardes je m'en fous un peu, parce que le mec il veut les gardes aussi tu vois. Et je sais pas si j'ai envie de contester un PMC dans ma condition actuelle. Il est juste là. Ça a pas tiré tout de suite. Ça a pas tiré tout de suite. Vous avez entendu? Genre j'ai cliqué, ça a pas tiré. J'ai dû cliquer deux fois. Là c'est la merde parce qu'on va bleed très vite. Je vais me soigner, puis je vais le looter. Ah, on est mort. Enfin il a pas tiré le scav, c'est ouf. Que je me remonte au max.
J'ai reload ou pas? Lui il est dans la... Il est dans la plaine je pense, il est pas dans le... Ok, il a un kit lui. C'est bon. Je vais prendre le MDR ou pas? Non. Je dois plier mon arme, quoi. Non, non, fuck it, fuck it, fuck it. Quel carnage. Cherche la bouffe qu'il y a ici. Là on a de la bouffe, on a assez de bouffe pour toute la mission. Duke Nukem, l'agonie ASMR. Bah, je pourrais prendre un... Bah, je vais le faire. Moins de la moitié, 856 ça. Hein. Là, il est là. What? FMJ, ok. J'irai pas le looter lui les gars, hein, sachez-le. Je le vois pas, putain.
Je le vois pas. Je suis aveugle, je le vois pas. Putain, je dois m'arrêter ici vraiment? Ok. On a plus de flotte. Plus de flotte, c'est le bon moment pour bouffer les crackers, c'est tout les gars. Oh, y'a un type juste là. Un petit... Ah, c'est ça qu'on voulait. J'ai pas pris l'antidouleur parce que... Ne pas geindre, c'était pas un problème jusqu'à ce que je croise des PMC. Mais là, maintenant qu'il y a un PMC devant moi, je l'ai fait. Mais là, mon problème, c'est que je vais mourir de déshydratation, quoi. J'espère que le PMC qui est là va se casser. Parce que j'entends le scav à ma droite. One tap. Il y a de l'eau, il y a des chances qu'il y ait de l'eau ici au-dessus. Hein. Ça, c'était un joueur. Allez, un petit truc, non. En vrai, c'est quoi? Il y a un bruit à ma gauche, non? Half, c'est pas beaucoup. Hein.
Je crois que je vais traverser la... Je vais aller à l'épicerie au centre. Là, si j'ai acheté un jus de pomme, un truc comme ça, c'est bon, quoi. Voilà, c'est bon. En vrai, si on peut garder le hot rod, c'est encore mieux. Bon, peut-être pas faire les difficiles, là, dans ces conditions, non? Vous en pensez quoi? Voilà, tant qu'on est en positif, là, on gagne de la stam. On va profiter pour sprinter un peu. C'est toujours l'estomac à zéro qui pose problème dans ce jeu, c'est vraiment... Ça dégoûte quoi. Pas mal de chance d'avoir de la bouffe là devant moi. Oh, y'a le feu. On va au feu dans le chat. Je l'ai hein, attends, pas faire le con. Smuggler's boat, ouais. Du coup, je pourrais looter le PMC que j'ai tué ici là tantôt. Lui là. C'est moi qui tire. Quel fou. Je pourrais choper les M4, mais en vrai, c'est bon quoi. On arrête, chat, on arrête. Oh, on arrête. Il faut se calmer, vraiment. Vraiment, il faut se calmer. On a faim, on a soif, on n'a pas chopé d'Iskra mais on a chopé un MRE. On pourrait manger le MRE et looter encore pendant 5 minutes, hein. En vrai c'est pas urgent. One clip, one tap? Non, je pense que tu te trompes, hein. C'est vraiment ça, Nuka, ouais. Désolé, j'ai pas beaucoup réagi au chat. C'était un bon petit raid, hein. Non, on leur a fait que 2 kills, mais c'était des bons kills. Et on a fait la Pocket Watch, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, donc ça c'est cool. Et du coup, ouais, je prenais pas l'antidouleur parce que je voulais, un, économiser ma flotte. Même si là j'étais à 0, je pouvais en prendre, mais tant que j'étais pas à 0, je voulais pas perdre d'hydratation. Parce que l'hydratation baisse blindée quand tu prends l'antidouleur. Elle baisse blindée. Et donc ça, t'as pas envie de faire. Une fois que j'étais à 0, j'ai commencé à le faire, mais je voulais pas le faire non plus. Si je savais pas qu'il y avait un joueur à côté de moi. Pour les IA et tout, tu t'en fous de faire du bruit, mais comme là il y avait un joueur, je voulais pas le faire. Mais si tu regardes les painkillers, les tueurs de pain là, chez Thérapiste, tu perds 19 de flotte, tu vois. Et comme je perdais déjà blindé, bah je voulais pas accumuler en plus. C'est qu'on a chopé une boîte, ça c'est cool. La box en vrai c'est vraiment sympa. Et on a chopé une cool arme aussi, ça c'est d'autant plus cool. Par contre, le mec avait 80 milliards de chargeurs, quoi. Ça, c'est vraiment marrant, quoi. J'ai pas regardé s'il avait de la Warmage ou autre chose, évidemment. J'imagine qu'il avait que ça.
Bing, bing, bing. Tu vois, par exemple, ce qu'il faudrait dans le jeu, c'est une option pour autofill une boîte, tu vois. Genre ça, ça peut prendre que des balles. Et donc, je vais faire clic droit, fill. Et il prend juste les balles qui sont ailleurs que dans cette boîte et il essaye de la mettre dedans. Et tu pourrais après mettre, en plus de ça, des filtres, tu vois. Et tu dis, ah, prends tout ce que tu peux prendre. Donc là, ici, de base, il va juste prendre des balles. Mais tu lui dis, non, je veux que ce soit que du 5,56. Ou que du 5,56, 855 à 1, par exemple. Si tu veux être encore plus précis. Pourquoi il y a le petit symbole Counter-Strike ici? Et ça, ce serait vraiment sympa. Pourquoi il veut pas rentrer dedans? Ça, c'est curieux. Je la drop. Ah, il le fait en deux fois parce qu'il remplit le stack. Je sais pas ce que j'en pense, mais ok. Ça, c'est fait. Ensuite. Au début, quand j'ai vu tous les knuckles, j'ai cru que c'était des... On va réparer chez Skieur pour monter Skieur. J'ai cru que c'était des clés USB au début, les gars. J'y ai vraiment cru. Hein. Bon, là, on a un énorme problème d'espace, les gars. On a un énorme problème d'espace. On a trop looté de stuff. C'est un problème qui nous arrive pas souvent. Je vous le concède. C'est assez rare comme problème. Du coup, ce qu'on va faire... On va aller chez Yagi Yigs et on va faire ça déjà. Celle. Le sucre, on s'en fout un peu. Je crois qu'il en faut pour construire un truc, ça. C'est pas très grave. Ok. Ah, on va aussi rendre à Prapor son truc, là. Bing, ça c'est fait. Maintenant, on doit aller sur Factory. Et ça, c'est quoi? 15 caves sur Woods. Aller choper les trucs sur Factory. J'ai fait un autre truc sur Custom. C'était quoi? Ah oui, c'était la 206 qu'on n'a pas su faire. Ouais. C'est la 206 qu'on n'a pas su faire. On pourrait extraire deux fois Factory. Ah, j'ai oublié ça, tiens. Après, on n'a pas spawn dans le bon sens pour faire ça. Donc, on pourrait retourner sur Customs. On pourrait retourner sur Customs, en vrai. En fait, la MDR, j'aurais pu la prendre. Mais ce que je devais faire, c'était ça. Attends, je devais enlever le viseur, enlever le suppresseur. Du coup, j'aurais pu plier... Pourquoi je peux plier la crosse? Vraiment, tu peux fold quand même. Ça se fold pas, ça? Je pensais que je pouvais fold. Apparemment, on peut pas. Mais bref, j'espérais fold ça. Mais j'ai rien de foldable, donc en fait, j'aurais pas pu. À cause du garde-main. Tu racontes des cracks, non? Fold est là. Si j'enlève genre ça. Si j'enlève ça. Si j'enlève ça. Non, ça c'est vraiment, j'ai pas envie de l'enlever. La crosse. Il faut mettre du WD-40. Non, je pense pas. C'est bizarre que je puisse pas. Parce que normalement tu peux quoi. Sur une AKSU. Go Kira Sableux T6 quoi. Parce que j'ai les plates maintenant, c'est ça? En vrai, je garde la stick, je m'en fous, mais... attendez. Là, je me demande si je garde toutes ces merdes. Parce que je peux pas les acheter. Ça s'achète quand, ça? Attends, filter. Available at level 2. Vas-y, ça part. Trader. On va mettre un peu à mécanique, ça fait longtemps qu'il a pas eu de truc, lui. Il faut faire un petit peu d'espace, quoi. Ah, ça c'est bien comme ça. On va faire ça. Et là, il nous faut des soins, quoi, les gars. Il nous faut juste des soins. On va faire ça. En vrai, lui, il peut partir. On va prendre celui-là. Ah, mais attends, maintenant, je peux les réparer. Je pense que c'est ça, le BAM, mais en vrai, je me souviens plus. Si Boubouzeta. Boubouzeta là. Attendez. Donc, moi, je voulais faire ça ici.
Et en gros, je peux pas acheter ça. Ça, mère. Parce que je voulais juste réparer mes hémostats vu que je peux pas encore les avoir. Ça, c'est les petits tricks du début de wipe. Tu les gardes à 1 et puis tu les répares dans le hideout, quoi. Donc, je vais faire ça, ça. Toi, tu peux partir. Ça, c'est bien. Juste, je voudrais un meilleur casque audio, quoi. J'aime vraiment pas celui-là. Mais j'en ai pas d'autres que j'aime bien. Donc, on va garder ça. Et on va mettre de la pipi à mots. C'est les balles, c'est du pipi. Et on va quand même mettre un truc. Il me faut ça. Et il me faut un splint. Ça. Ok. J'ai pas de factory key. Ça, ça pue un peu. On va faire avec. Voilà, je pense que ça, c'est ok. Ça, c'est ok pour factory. J'essaie de trouver un moyen de faire de la place rapidement. Et en vrai, il n'y en a pas 500. Factory, je pense que je peux partir à Walpé. Hein. En fait, ce qu'on va faire, les gars, pour avoir de la place, c'est ça, quoi. Je sais pas pourquoi on se casse la tête, mais juste, on achète une... On achète ça, non? Avec ça, on est Gucci. Bon, elle sera pleine en 2 secondes, mais... est-ce que je peux faire ça? Voilà. Non, attends. Mieux que ça. Si je fais... Où est-ce qu'il est, le... Comment j'ouvre encore le truc temporaire, là? Sorting table. Voilà. Et je mets ça là-dedans. Voilà. Ils ont déplacé la sorting table ici au-dessus. Ok, et maintenant... Là, je peux faire des petits... Tu vois ce que je veux dire? Ça, ça passe pas. Ok. Et là, voilà. Hop. On a pas grand-chose qui rentre dedans, mine de rien. On a beaucoup de bouffe sur nous, quoi. On a énormément de bouffe. Mais on a quand même... Voilà, il y a quand même 2-3 petites places qui vont se faire, quoi. Faut pas se mentir. Ça, ça va aider, hein. Ça part. Ok. Ça, ça va faire de la place. La première Lucky Scav, elle fait du bien quand même sur Tarkov. Hein. Surtout quand tu débutes, parce que tu sais pas ce que tu peux garder ou pas. Et du coup, tu gardes tout, quoi. Quand tu débutes, en fait, tu galères en thune parce que tu vends rien. Ça, c'est peut-être le truc de débutant à dire vraiment le plus rapidement possible. C'est, les gars, vous vendez rien, en fait. C'est pour ça que vous avez des problèmes de stuff. C'est parce que vous vendez pas... Vous ne générez pas d'argent parce que vous ne générez pas d'argent. Mais là, on fait de la place, là. Ça, c'est du peak gaming, les gars. Sachez-le. Hein. Dès qu'on aura la med case, on pourra mettre tous les trucs meds ici dedans. Dès qu'on aura la doctor case, on pourra mettre tout ça dedans aussi. Ça fera déjà un peu plus de place. Ok. Et ici, genre chlorine, par exemple, je vais vraiment séparer. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, je garde. Ça, je devrais vraiment séparer aussi, je pense. Ok. Bien que la chlorine, je pourrais l'acheter pour faire le barter. Bah, attends, on a ça. Les Ray-Ban, je ne pense pas que ça rend. Bon. Ok. Voilà. Là, on est bien, là. Je garde les cartes graphiques autour pour vous mettre la rage, les gars. Ok. Et maintenant, je dois recompresser tout ça. Ok, comment est-ce qu'on va s'y prendre? En fait, elle sert à ça, la sorting table. On va le faire. Hein. Il me faut une ligne de 2. On n'a pas ça ici. Hein. Donc on va faire comme ça. Toi, on va te garder pour plus tard. Voilà, ça c'est bien. Ok. Et là, on avance, là, les gars. Là, on avance bien. Ok. Il nous faut un 3. Toi. Et maintenant, on a une ligne. C'est parfait. Et là, la ligne, c'est parti, là. Une fois que t'as une ligne, t'es vraiment parti, quoi. Non, c'est pas bon.
Ok. Ok, là on est Gucci là. Parce que maintenant il y a quelques trucs qu'on peut sortir. Dès qu'on aura la holodilnik, putain, on va tout vider quoi. Ça va être vraiment beau. En fait, j'essaie de rassembler un petit peu pour avoir un max de conteneurs vides. Ça, c'est la partie que je pense est importante. C'est vider les conteneurs. Celui-là, il est plein. Celui-là, il est vide. Voilà. Et ici, on va juste remplir. On va plutôt vider celui-là, en l'occurrence. Voilà. On va vider celui-là, là-dedans. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est bien. C'est pas encore rangé, les gars, mais on s'est déjà rapproché de quelque chose d'un peu plus correct. Je pourrais vider ces chargeurs-là, etc. Pour l'instant, on s'en fout. On va juste aller faire le scav sur Interchange pour les moteurs et tout ça. Et voir un peu ce que vous racontez comme conneries. Pourquoi je garde les items Kappa ? Bah, pourquoi pas, on sait jamais, tu vois. Oh, Tetris Simulator. Non, mais ça va, les gars. Putain, j'ai cru qu'il n'y avait pas de chargeur. Au début, j'ai brièvement regardé. J'ai cru qu'il n'y avait pas de chargeur dans mon radar, quoi. Salut, moi. Une Kappa, ça se fait en... Ok, il reste... Le wipe, c'est en été. Ok. On va dire que ce sera au mois de... Voilà, on est le 15. On va dire que ce sera le 15 en juillet. Un peu arbitraire, hein. Donc, ça fait de avril à mai... De mai à juin, de juin à juillet, ça fait 3 mois, ça fait 90 jours, ok? 90 jours, on va dire que je vais mettre 800 raids pour le faire. C'est 8 raids par jour. Ça se fait, hein? Sachant que... Je pense que ça peut se faire plus rapidement que ça. Bah en fait, c'est simple, il y a des gens qui ont déjà la capa maintenant, et on est à 90 jours de wipe, les gars. Donc, réellement, il reste... On est pile à la moitié, selon mon calcul du mi-juillet. Ce qui est évidemment... C'est de mon pouce, hein. On est bien d'accord. Et je sais qu'il y a plein de trucs que je garde, que je pourrais vendre et tout, etc. Pour l'instant, je suis pas vraiment en mode rangement de ouf. Parce que j'ai pas de boîte, et donc ranger, c'est un peu de la merde. C'est une fois que tu commences à avoir une ou deux boîtes de chaque, que tu peux vraiment commencer à t'organiser. Mais ici, vu que j'ai rien pour m'organiser, j'essaye pas de m'organiser, quoi. Tu joues full time sur Tarkov? Oui et non. Donc en gros, putain, la lampe ça va? T'as un problème? Non, de tchè? God damn! Le plan c'est de stream full time tout court. Mais l'objectif c'est pas de stream que le Tarkov. Puisque, les gars, vous savez comment ça fonctionne le monde du jeu vidéo. Les jeux vidéo ne sont pas éternels. Je pense pas que beaucoup d'entre vous jouent encore à Need for Speed Most Wanted tous les jours, tu vois. Et pourtant, c'était un des plus gros jeux quand il est sorti. C'était le meilleur Need for Speed, tout le monde l'a adoré. Je pense pas que beaucoup d'entre vous jouent encore à Half-Life, alors que c'était un gros jeu. Tu vois, tu peux pas te limiter à un jeu quand tu streams. C'est interdit. C'est littéralement interdit. C'est écrit quelque part dans la Convention de Genève, on en parle souvent. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je me mets sur un jeu qui fonctionne maintenant. Mais on va essayer de se diversifier un peu. Et ça, je sais que c'est la partie que Twitch n'aime pas, mais on va essayer quand même, puisqu'on n'a pas le choix. Mais j'ai pas envie de me retrouver comme Wacky Jacky bloqué sur PUBG en 2024, quoi. Le pauvre, quoi. Ça c'est vraiment juste non. Donc, je crois que cela, il en faut pas. Non. Maillot, on l'a déjà. Les chances d'avoir des Iskra ici sont quand même assez faibles. Hein. Les gars, le barter pour... Vas-y, on va regarder, j'ai oublié. Holodilnik barter. Ok, quoi. Vas-y. Tarkov Wiki. Hop. La recherche, please. Ok, vas-y. Holodilnik. Dilnik. Tarkov. Pourquoi c'est fandom? C'est quoi ce délire? Pourquoi c'est fandom? Ils ont changé de provider de wiki? Ah ouais, c'est plus le même provider. Ok, my bad. C'est Squash, Herring, Coca. Ok, c'est Squash. Ok, c'est Squash qu'on veut. Donc c'est celui-là. Donc je disais, ouais, le monde du jeu vidéo, tu peux pas streamer le même jeu toute ta vie, tu vois. Et donc il faut que je puisse me transférer à un moment ou à un autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'autres jeux.
On va généralement faire soit genre 2 heures de Tarkov et puis autre chose, soit juste du Tarkov. Mais on va pas faire que du Tarkov forever comme avant. Et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de Project Zomboid récemment. On va faire du Project Zomboid, on va faire plein de jeux quoi, les jeux que je dis tout le temps hein. Project Zomboid, Helldivers, WoW, Ready or Not, tous ces trucs là, il y aura plein de nouveaux jeux qui... Genre là par exemple j'ai un peu envie de me mettre sur Grey Zone Warfare aussi. J'ai envie de l'essayer, donc j'ai envoyé un email aux gens pour voir s'ils ont pas quelque chose pour moi. On va un peu chipoter à tout quoi. On gardera Tarkov en main game. Mais on aura des streams qui seront non Tarkov, c'est sûr et certain. GTA San Andreas. Ouais, pareil, je pense pas qu'il y ait beaucoup de streamers GTA San Andreas ou GTA Vice City, quoi. En vrai, devenir full-time streamer GTA Vice City, quoi, t'imagines? Lâche une clé pour Grayzone, j'ai pas encore reçu la mienne, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, je suis un peu un... Si tu regardes mes average viewers, je suis pas très, je suis pas très appétissant pour les publishers. Puisqu'on a fait beaucoup de streams à 15 viewers sur WoW. Et donc là, en faisant plus de Tarkov, ça va remettre des chiffres un peu plus sains. Ce qui va me permettre de nouveau obtenir des deals. Ce qui va me permettre de pouvoir streamer plus confortablement aussi. Et donc, ça va évoluer. Mais c'est juste que là, il faut que... J'aurai pas de deal avant quelques semaines, quelques mois, à mon avis. Et du coup... Autant faire du Tarkov pendant ce temps-là, quoi. Attendez, mais je pense qu'il y a moyen de... Ça, je pourrais pas le mettre, à mon avis, non. Parce qu'il faut un dovetail. Je pense pas que ça puisse se monter là-dessus. Ah non, dommage, les gars. On aurait pu avoir un énorme viseur, quoi. Le VS Combo, il se vend pour 20-30k, je pense. Je suis même pas intéressé quand c'est une case, en fait. J'aurais même pas regardé. Donne la mienne. Ah, ça se passe pas comme ça, quoi. Joue à ce qui te plaît. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Attends qu'ils autorisent à stream de jeux pour adultes, tu vas te faire de l'oseille. On peut déjà stream des jeux pour adultes, je pense. Mais j'ai pas particulièrement envie de jouer à des jeux pour adultes, je t'avoue. Enfin, faut voir ce que t'appelles des jeux pour adultes. J'avoue qu'on prend peut-être pas de la même chose. Mais si c'est des jeux porn, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Sinon, vous avez entendu parler de Twitch Prime. Ça, c'est une très bonne question, les gars. Est-ce que vous avez entendu parler de Twitch Prime? Est-ce que ça vous parle? Twitch Prime, c'est un peu l'avenir, quoi. Ouais, week-end prochain, le 21, on va faire du Ready or Not en stream avec Madame Peo, avec Toto et avec un pote que vous connaissez très peu, qui s'appelle Brat. On va faire la mission de l'hôpital sur Ready or Not, c'est la plus grosse mission quoi. Et ce sera big et ce sera fun. Et ça c'est une promesse. Un petit peu de cash? Non, ça c'est pas du bon cash ça. Mais bon, c'est un dimanche soir donc vous serez tous là, c'est sûr. Ils sont où les sacs là? Ah, les ampoules, attends. D'abord, il nous faut un sac. On a même pas de sac, donc littéralement un sac, une case, c'est mieux que ce qu'on a. Non mais y'a aucun scav dead là. Ah voilà. C'est un peu lugubre et triste quand même. Je me balade en cherchant un cadavre et que j'en trouve un aussi rapidement. On n'a pas d'armure non plus. En vrai, on est assez pauvre en tout là. Il nous bute? Oh! Mais ça c'est un viewer ça. Ça c'est du streamer loot chat. Ça c'est du streamer loot. Ça je reconnais, c'est du streamer loot. Ça se voit chat. Ça j'avoue, c'est du streamer loot. Je vais pas vous mentir. On est proche de la réalité de ce que c'est quoi. Ok, attends. Je vous avoue que c'est vrai. Voilà. Ok.
Ok, maintenant qu'on est parti, bah merci. J'ai pas les mots. Ah putain, je peux pas prendre de clip. Je voulais prendre un clip de ça parce que c'était marrant, quoi. Tu veux un sac et il arrive, quoi. Ah bah super, il y aura pas moyen de prendre un clip. Bon bah les gars, je veux bien un clip Twitch, s'il vous plaît. Merci. Mon... Je sais pas pourquoi, mais OBS, il me fait vraiment des siennes ces derniers temps. J'ai eu peur. Sachez que j'étais saisi. Ça s'est pas vu sur mon visage parce que je suis un homme de talent. Notamment d'être un acteur. Mais j'ai eu très peur. On pourrait dire que j'étais terrorisé, quoi. Yes, mais on a des ampoules, là. C'est tout bon, ça. Je crois qu'il nous en manque plus, là. C'est fini. Ça, c'est traître, hein. Parce que quand ils sont dans ce sens-là, ça va, tu vois. Mais c'est quand ils sont dans ce sens-là, tu crois que c'est un GPU. Et ça, ça fait... Ça, c'est dur, ça. Ah non, mais le bandage, il me met giga bien. Non, mais... Ok. Je dis, il me faut un sac, il y a un mec qui apparaît avec un sac, please. Après, je sais, c'est un d'entre vous qui s'est dit, tiens, je vais cliquer sur Scav en même temps que lui. Et il a eu raison, il est arrivé en même temps que moi. Bon, pas grand chose, hein. Je me tâte un peu. Parce que Oli, c'est la win. Mais j'irai bien vite fait. On va checker en bas. Ça va faire plaisir, ça, pour mettre dans le pouch. Un sac, s'il vous plaît. Merci. Merci, Ram. C'est exactement ce que je voulais. C'est quoi le but de ce jeu déjà? Alors vu que tu t'appelles Project Zomboid 8, je suppose que tu connais bien Project Zomboid, ça n'est pas du tout la même chose. En gros, ah bon, on a trouvé un sac. Boubou, si tu veux récupérer ton sac, tu peux. Hein. Je sais que tu m'entends. Il est au-dessus de Brutal. Le but du jeu, c'est que tu rentres dans une partie, tu trouves ce que tu trouves et tu sors avec. Si tu réussis à sortir vivant, tu gardes le stuff. Si tu meurs, tu perds ce que t'as. Donc là, si je meurs, tout ça, bah ça reste par terre, tu vois. Genre lui, il est mort, bah j'ai récupéré ce qu'il avait sur lui. Et t'es pas forcément allié avec tout le monde. Là, je suis dans une... Ça, c'est en deux mots, quoi. Si t'as d'autres questions, je peux évidemment y répondre. Il y a deux factions, les SCAV et les PMC. Et parmi les PMC, il y a encore deux factions. On va jeter le bini, les gars. On va jeter le bini. A mon avis, s'il y a un bini par terre, c'est que ça a été looté ici, donc on va pas chercher plus loin. Les PMC, en gros, tu viens avec le stuff que toi tu décides. Donc tu vas composer ton stuff dans les menus, dans ta planque, donc hors jeu. Tu vas composer ton stuff. Et si tu prends beaucoup de stuff, ben t'es très fort évidemment, parce que t'as beaucoup d'équipements. Si tu prends des grenades, tu peux les utiliser, c'est cool. Mais du coup, ça te coûte de l'argent. T'as dû soit trouver le stuff, soit t'as dû l'acheter. Mais forcément, si t'as plus de stuff, t'as moins de chances de mourir. Donc tu vois, c'est un peu ça tout l'équilibre à essayer de respecter. Et donc en PMC, tu fais ça. Et puis tu vas sur la map, tu loot, tu tues, etc. Et si tu meurs, tu perds tout. En SCAV, là moi je suis en SCAV, tu choisis pas ton stuff. Et c'est d'office du stuff très mauvais. L'avantage du SCAV, par contre, c'est que tu choisis pas ton stuff. Pardon, c'est que tu payes pas ton stuff, mais que tu le choisis pas. Donc, tu vois ici, je suis arrivé en raid. Bah, tu vois que j'ai pas de casque audio, j'ai pas de casque tout court, j'ai une bête casquette. Mon arme, elle est un peu nulle à chier. Et donc, je ressemble à rien. Mais j'ai trouvé un sac à dos, donc je peux ramasser un peu ce qui reste. J'ai trouvé du bon soin, j'ai trouvé un rig, j'ai trouvé plein de chouettes trucs. Et le SCAV a l'avantage d'être allié avec les SCAV qui est sur la map automatiquement. Et il y a des SCAV IA sur la map. Tu vois, là encore un petit cadavre. Hop, on va se mettre ici. On va voir ce qu'il y a dessus. Et donc, il y a des IA sur la map. Et moi, je suis jouant en SCAV, mais joueur, donc je suis pas une IA, forcément. Lui, c'est pas une IA non plus, là. Mais ça veut dire qu'en gros, là, les joueurs que je croise, a priori, ils font la même chose que moi, et donc on se tire pas dessus, tu vois. Parce qu'on voit qu'on est SCAV, on sait qu'on vient pour la même chose. C'est ramasser les restes, quoi. Faire un peu de cash. On va aller faire Oli, je pense. Mais parfois, tu vas croiser un PMC,
Et le PMC, il va juste buter genre lui. Ça, c'était un PMC, je pense. Non, c'était un... c'était un scav. Je crois que c'était un scav, ouais. Mais le PMC, lui, il a aucun intérêt de te garder en vie, évidemment. Et donc, il va juste te buter. Et contre un PMC, t'as aucune chance de survivre. Ouais, lui, il a été dépouillé. Lui aussi. Et en gros, là, bah, là ici, le but de cette partie pour moi, sachant qu'il me reste, si tu regardes en haut à droite, il me reste 10 minutes avant que je meure. Si tu sors pas à la fin du timer, t'es mort. C'est considéré comme missing in action. En gros, là, le but pour moi, c'est juste de ramasser du stuff et de faire de l'argent. Par contre, en PMC, forcément, déjà, j'aurais un meilleur stuff vu que je l'aurais choisi. Mais là, je pourrais aussi exécuter mes tâches, mes quêtes. C'est que les PNJ du jeu, dans les menus, me donnent des quêtes à faire, des endroits où je dois aller tuer des choses, déposer des objets, cacher des trucs, récupérer des trucs. Il y a un peu de tout. Et ces quêtes-là, tu peux les faire qu'en PMC, donc t'es obligé de jouer PMC. Donc généralement, ton scav, il sert à un peu faire de l'argent facilement. Et ton PMC, il sert à le dépenser, quoi. Et évidemment, si tu survis en PMC, ben là, c'est bingo, parce que t'avais du bon stuff, et en plus, t'as survécu, et en plus, t'as fait tes quêtes, et donc là, c'est... Ouh, trois moteurs, putain, attends, mais ça, on va se faire un petit rangement. Pour choper les moteurs, on va jeter quoi? On va jeter ça. On doit garder tout ça. Tout ça, on doit garder aussi. En vrai, on va acheter ça. 1, 2. Ah, je peux prendre 2 moteurs. 1, 2. Il me manque 2 cases. Bon, on va acheter ça. Ah, je sais pas quoi acheter, quoi. Et on va acheter ça, tant pis. Et... Ah, mais ça rentre pas, en fait. Attends. Je crois que ça rentre pas. 1, 2. Et puis j'ai 4 cases comme ça. Ah, il y a du fuel aussi. Ah, je l'ai pas ramassé l'autre. Il n'y en avait pas un ici? Il n'y avait pas 3 moteurs? Ah non, il n'y en a que 2. Ah bah peut-être qu'on pourra prendre ça du coup. Et là... Mais c'est un truc de ouf. Mais je suis con quoi. C'est marrant, il est bugué, vous avez vu? Regardez. Il le prend et il disparaît. Bon ok, fine. Il a spawn avec la raid en scav, bah GG. Il s'est fait un peu d'argent quoi. Il a su l'extraire ou pas? Moi j'ai jamais spawn avec des grosses cartes de couleur en scav. J'ai déjà eu vraiment des centaines et des centaines de... Juste de cartes d'entrée, tu vois. Des cartes labs. Des cartes de couleur, j'ai dû en avoir une je pense dans tous mes scav. Après j'ai pas fait des milliards de scav dans ma vie non plus. Hein. Il est à poil. Oh, on va sortir. Lui, il a l'air à poil aussi. On va sortir. Les chargeurs d'Adar. Ah mais oui, putain, évidemment les chargeurs d'Adar. Bah, là, je pense que c'était buggé et que je pouvais pas prendre le moteur parce que je le voyais apparaître dans mon inventaire. Donc c'est pas que je cliquais pas dessus et que j'arrivais pas à le sélectionner. J'arrivais à le sélectionner et puis il était enlevé de mon inventaire. Donc c'était clairement buggé, quoi. Il faut rester en groupe. Ben, là je suis tout seul donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que rien ne t'empêche de joindre la partie avec 2 potes. Et donc là tout de suite t'es beaucoup plus safe évidemment. Ben, j'ai pas encore vu Deval, mais enfin j'ai vu les patch notes mais j'ai pas encore été surveillé dans le... Dans les menus ce que ça donne. Y'a du fight souvent ou pas? Ouais quand même. Là ici je suis en fin de raid tu vois, il reste 6 minutes. Et généralement, les PMC, ils sont déjà partis à ce moment-là de la partie. Parce qu'en PMC, tu veux essayer de maximiser tes chances de survie. Et donc, tu vas rentrer, faire ce que t'as à faire, genre... je dois poser un truc sur ce camion, je viens, je le pose et je m'en vais, tu vois. Tu vas rarement rester 40 minutes en raid. Donc, généralement, quand t'es en scav, il reste 1 ou 2 PMC dans la partie et pas 10, quoi. Et donc, il y a peu de chances de le croiser. Parce que ça se peut, le type, il est... Enfin, tu vois, la map est grande. Et le type, il est probablement encore là, mais ailleurs. Et de toute façon, en train d'extraire. Là, au moins, ça me dérange pas de prendre des risques en scav, de pas extraire. En PMC, ça me fait chier, parce que vu que c'est pas mon stuff en scav, c'est pas grave si je meurs, quoi. Moi aussi, je fais souvent un scav entre mes PMC. Jusqu'à un certain point. À un moment, j'arrête de faire ça.
On va déjà tout mettre. On va remettre la musique, pardon. On va déjà mettre dans la boîte ce qui doit être dans la boîte. Ah, j'avais pas exploré ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi c'est pas cherché? Si, je l'avais fait. Voilà. Et donc tu vois là, tout ça c'est mon stuff. Je le mets dans ma banque là, hop, voilà. Et maintenant là on est dans le, ce qu'on appelle dans le hideout, on est dans la cache. Et en gros, là je vais composer mon kit maintenant pour le PMC. Tu vois, j'ai fait un peu d'argent en scav. Donc je me dis, si je meurs en PMC, j'ai chopé des trucs, j'ai un kit d'avance quoi. Les money run, c'est mieux en scav qu'en PMC. Honnêtement, ça dépend quoi. Honnêtement, ça dépend. C'est pas forcément vrai. J'ai envie de vendre tout ça plus tard. Par contre, toi. Je vais garder ça comme ça, c'est très bien. Je vais mettre le grizzly dans mon inventaire ici. Ça me semble pas mal comme ça. Et alors, il me faut de la flotte parce qu'on est un peu léger. Donc, on va prendre de la bouffe. Où est-ce qu'elle est ? On va prendre ça. Et on va prendre ça. Voilà, ça c'est bien. On va manger ces deux-là dès le début, puis on garde celui-là pour après. Et où est-ce qu'on va aller? On doit faire ça, c'est trouver des iskras, donc on peut pas vraiment choisir. Ça c'est faire des kills, on peut pas vraiment choisir. Ça c'est customs, ça c'est où on veut. Ça c'est customs, on a woods et customs quoi. On tue 15 caves sur woods et on essaye de trouver de la bouffe. En vrai on va faire ça. On va essayer de tuer 15 caves sur woods et en même temps... trouver deux morphines et deux iskras. Sur Woods, il y a beaucoup de chances de les avoir. On va essayer de faire ça. Attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller avec une slick sur Woods? Sur Woods, non. Je l'aurais pris sur Custom, mais pas sur Woods. Sur Woods, c'est un plan à la con, les gars. On va faire ça. Et du coup, sur Woods, on peut enlever ça parce qu'on va trouver de la bouffe. Et on a un scope, c'est bien. Par contre, je vais prendre des balles en plus, parce que sur Woods, on va en consommer pas mal, je pense. À mon avis, on va croiser plus que 5 personnes sur Woods. On va faire ça. Surtout si je veux tuer 15 caves, on va rester longtemps, quoi. On a de quoi... Ah, on aura de la thune pour le BTR. En vrai, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon run potentiel. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Là, on est bien. On a du soin, on a de la bouffe, on a tout ce qu'il faut. Yes. Ok. Woods, on va se mettre l'après-midi, on va assurer ça. Pourquoi j'ai pris 250k? Juste parce que j'ai pris un gros stack et comme ça je suis tranquille pour tous mes extracts voitures pendant 10 ans et les BTR et les machins et les trucs. Je reviens les gars, j'ai pissé, j'arrive.
Si tu meurs, t'as toujours du stuff. Bah, si tu meurs, tu perds ce que t'as emmené. Donc là, si je meurs, je perds ça, mais j'ai encore ce qui reste à ma maison, quoi. Tu sais pas perdre ce que t'as à la maison sans... Tu sais pas perdre magiquement ce que t'as à la maison. Ce que tu le perds seulement en jouant avec. Sur moi, ils sont complètement inutiles. Ouais, c'est ça, mais c'est juste qu'en fait, un stack de 5000 ou un stack de 300000, ça change rien. Et si un jour, je veux utiliser le BTR 300 fois pour des trucs super chers ou je sais pas quoi, au moins, je suis tranquille, quoi. Ouais, les boîtes à grenades, RAM, ça c'est un peu un truc... Je sais pas, c'est genre c'est comme ça, et ça s'est fait un peu avec le temps, c'est que les boîtes à grenades, généralement t'en as pas besoin de 300 dans ton stash, et donc c'est devenu un peu, par défaut, l'item qu'on vend en euros, quoi. C'est vraiment, quand t'as besoin de te faire des euros, ça a été décidé que cet item-là allait être utilisé, parce qu'un jour, il y a un mec qui en a vendu un. Du coup, le mec juste derrière lui a vendu ça aussi. Et puis, il a dit à son pote, ouais, moi, j'utilise ça, c'est un bon deal et tout. Du coup, il y a 5 potes à lui qui l'ont fait. Puis, il y a un streamer qui l'a fait devant les autres. Et puis, pif, tout le monde fait ça. Mais réellement, il n'y a pas plus de raison de faire ça avec les boîtes à grenades qu'avec les d'autres types de boîtes que tu peux crafter. Ça pourrait être les boîtes à chargeur, tu vois. En vrai, ça change rien. Attends, qu'est-ce que je voulais faire, moi, ici? J'ai complètement oublié ce qu'on faisait, chat. On doit tuer des scaves, trouver des iskras et trouver de la... on va plutôt aller par là alors. Bouffe 15 scaves, ouais ça, il faut 2 iskras, 15 scaves, mais surtout 2 morphines quoi. En vrai les morphines ça ira plus vite que les iskras à mon avis. Je préférais à l'époque où on pouvait entre guillemets tricher les iskras. Il vaut mieux la craft si tu veux en avoir une, ouais. Mais généralement, les gens la craft pour avoir des euros parce qu'ils veulent 50 000 euros pour Mentor. Bah j'y étais, le cas. Juste que t'as fait la même chose et que tu m'as pas vu disparaître, j'ai juste été super vite. Je suis rapide, hein. GG. Je vais même te dire plus, j'ai pas fait que faire pipi, hein. Moi, je suis rapide, hein. Mais j'ai pas particulièrement envie de looter tout ça pendant une heure. Par contre, ce que je veux, c'est vite voir s'il y a pas... Ah, je le vois mieux quand je zoome pas, c'est marrant. Alors là, il est clairement devant moi, et là, je le vois pas. Il est genre là, voilà. Vu que j'ai un silencieux, je vais aller le chercher, mais je vais aller chercher pour les kills. Il me faut un horse aussi, ça on a beaucoup de chance de le trouver par ici. Alors il peut être là-dedans. Ah, rien du tout quoi. On serait pas en tout début de partie, je dirais que quelqu'un est déjà passé par là. Ça, il fallait qu'on bouffe les gars, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Le retour du jeune homme, t'as vu ça? Est-ce que ça a été réparé la technique du packet loss pour les boss? Je sais pas. Faut voir les patch notes. J'ai vu des gens en parler, mais je crois que c'était dans les commentaires des patch notes et pas dans les patch notes. Fast as fuck, boy! Non, 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 ça a pas été looté, ça a pas été looté, c'est sûr. On va, allez, on va faire une ou deux maisons quand même. Vous avez dit qu'on manquerait absolument pas de bouffe. En fait, on est obligé de faire les maisons, puisque vu qu'on cherche de la bouffe, ce serait con de pas looter, quoi. Si le but, c'est d'avoir... Ah, voilà, le horse. Ok, ça, c'est un scav. Donc, c'est un ennemi. Là, je suis ennemi avec tout le monde, hein, pour info. Je sais plus qui posait la question. Mais normalement, ça, un mec qui se déplace et qui fait une voice line tout seul, a priori, c'est une IA, donc je suis pas trop inquiet.
suis juste pas hyper fan des IA dans les buissons ici. C'est vraiment... Ça, c'est... Ici, c'est pour le coup, c'est un coupe-gorge cet endroit parce que... Des fois, les IA, elles te voient à travers les buissons avant que toi, tu puisses vraiment les voir un peu correctement. Est-ce qu'elle a... elle est contre l'eau ? Oh, elle est là. Attends, elle était là, non ? Je suis aveugle ? Je crois que j'entends des lumières, chat. J'ai un doute sur le fait d'avoir entendu un scav maintenant. Putain, j'aurais juré. Non, non, mais j'en ai entendu, hein, je suis sûr d'avoir entendu. Je suis pas fou, chat, je suis pas fou. Je pense que ça, ça confirme la chose. Ils sont deux, quoi. Il y en a un là au-dessus. Par contre, celui qui a gueulé ici, c'est Jésus, quoi. Le type, il est en train de marcher sur l'eau, en fait. Alors, il est genre là derrière le petit trou ? Non. Salut, Mérine. Mais c'est incroyable. Le deuxième qui a fait une voice line, je l'ai vu, c'est pas un problème, c'est le premier que je cherche, moi. S'il aurait un Iskra sur lui, on va le looter. Hein. Enfin, un peu chier qu'il ait fait du bruit, mais bon, tant pis. Donc on a besoin du horse pour une quête, ça c'est déjà bien. C'est pour ça qu'il y a un petit V en dessous. Enfin, un petit V jaune. Allez, le coca. En vrai, le coca c'est big. Il nous en faut aussi 40 là pour l'échange. Ok, super, on peut pas. Il en reste un autre, hein. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il est pas là, quoi. Unknown item, ce sera quoi, vous croyez ? La US, quoi. Ça, c'est marrant, la US. En vrai, les gars, on refera... Quand on sera genre niveau 40, un truc comme ça, on refera un build US. Il y a une méta avec les balles US ou pas, chat? C'est fini, ça. Hein. Mais oui, je sais bien, mais c'est parce que c'est pour une quête. Moi aussi, ça me fait mal. Moi aussi, ça me fait mal. Sache-le, ça me fait mal. En plus, il est examiné. Mais ça, honnêtement, c'est parce que le jeu a tout examiné de base. C'est que maintenant, tous les objets du jeu, sauf les objets de streamer, sont examinés. Par défaut, quoi. Et les balles, peut-être, les balles aussi. Il y a plein d'objets qui sont examinés par défaut, en tout cas. Les clés aussi. Ouais, ouais, dans certains objets, j'avoue que les clés aussi. Les cartes, c'est ça. Ouais, les cartes, c'est les clés, quoi. Mais genre, tous les mods, etc., il faut plus jamais les identifier. Les armes, il faut plus les identifier. Les chargeurs, il faut plus les identifier. Les armures, il faut plus les identifier. Les rigs, ces trucs-là, les sacs. Ce truc là c'est fini, quoi. Et les horses, c'est juste un barter item. Et donc il faut plus identifier les barter items. Mais barter item, c'est genre les horses, c'est aussi tout ce qui est gold, nuts, javel, tout ce truc là il faut plus identifier, c'est fini. Hose. Je suis surpris qu'il y ait si peu de monde là où on est quand même. Je suis surpris. Ah, le réacteur, je vais le prendre. Ça c'est loin, ça c'est très loin. Ah, y'a un type. Bon, c'est une IA. Ah, y'a une autre IA là. Ah non, c'est un rétro, putain, je pensais que c'était un casque. Bon, my bad. Je vais me faire attention à ce que je fais. Putain, vas-y, je m'applique, puis je m'applique plus, et en fait, je regrette, quoi. Oh, une RK2, ça, c'est pas mal, en vrai. Je vais même faire ça, quoi. En vrai, je sais pas si elle est meilleure, j'ai un peu un doute. Alors, moi, il va bleed, lui, non? Il est pas en train de saigner de tous les sens?
Ah, c'était pas les mêmes, ok, ils étaient deux. Ils étaient deux. They were two. Ok, je vais... pas reload ça, mais je vais reload ça avec de la PP. RK2 c'est meilleur école. Ouais, je sais, mais je me rends pas compte à quel point l'autre, je voulais garder l'ergo ou pas, parce que... j'ai que 40 d'ergo au final. On s'en fout un peu de l'ergo. Hein. On s'en fout un peu. Je vais faire ici parce qu'il y a de la bouffe et que c'est une chance d'avoir un iskra, les gars. Il faut des iskras. Genre là, il y a eu un sprats, par exemple, tu vois. Ah, j'adore les EWR. Ça, c'est ma bouffe préférée. Ça, il m'en faudra un pour plus tard. C'est dans longtemps, mais... pour la bibliothèque. Ça, je crois qu'il m'en faut aussi. On en a pas assez. Ok, est-ce qu'on va pas acheter des trucs qui servent un peu à rien? Je crois qu'on peut... on peut boire ça. Ça donne combien? Ça donne 30 de flotte et 8 d'énergie. Ah bah c'est parfait. Et... du coup... alors, réellement, ça, je peux l'enlever parce que je boirai ça quand j'en aurai besoin. Je vais garder le reste pour l'instant. Un Tarker, je l'ai déjà à la maison. On va aller voir ce qu'on trouve un petit peu à côté. Je suis un peu triste de trouver aucune clé dans les vestes quand même. Je remarque que j'ai pas fait des milliards de vestes, hein. Ça je suis bien d'accord. Mais... pff, du fuel. Non, non, non. Le fuel c'est rentable et tout, mais... réellement là, je vais pas transporter un objet de 20 kg alors que je suis en tout début de partie. C'est hors de question. Je suis déjà en surpoids, là je suis à 34. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a un monde où je vais peut-être récupérer les balles. C'est de la PS. Parce que la PS c'est de la merde, mais je peux pas avoir mieux pour l'instant. Ouais, mais c'est beaucoup quand même. En vrai, ça, j'ai pas besoin non plus. Hein. Oh, oui, je joue à Project Zomboid. Pardon, en effet, j'ai pas répondu, désolé. Oh, oui, je joue clairement à Project Zomboid. J'ai streamé... j'ai bien streamé 10 heures de Project Zomboid cette semaine. 10-15 heures. Tu peux voir où on en est si tu regardes les VOD. Et à mon avis, demain, on fera un peu de PZ. Une grenade, allez, ça je prends. Là, juste deux chargeurs, ok. Ouais, oui, c'était trois, quoi. Il y en avait un à gauche que j'ai entendu, mais je me suis dit, bon, je vais tirer sur le mec de gauche. Enfin, sur le mec en face de moi qui m'a pas vu. Putain, il a dû prendre cher, quand même, parce que je lui ai mis des hits proches de sa tête, quoi. Mais un V3, c'était mort, j'allais pas l'avoir. Comme j'ai beaucoup tiré sur un des scavs ici, combien de hits j'ai fait? Hit count 15. Moi ouais, j'ai dû lui mettre 4-5 hits quoi. Voilà. Ouais c'était 3 PMC ouais. Yeah, c'était 3 PMC c'est sûr, regarde. Attends je prends un clip et je te montre. M80. Mais j'avais grosso modo... bah, tu vois ici j'ai pris de la BP545. Et là j'ai pris de la M80. Donc il y a déjà deux personnes différentes qui m'ont tiré dessus. Et le troisième m'avait pas vu parce qu'il y avait son pote devant lui, il m'a pas tiré dessus. Regarde, là je vais prendre un clip. Hop, hop. Parce qu'il y a un monde où je vais peut-être en récupérer. Oui, pardon, en effet, je vais voir où on en est. Là, on fera un peu de plaisir. Donc là, ici. Là, juste de... là, je vais le voir lui et l'entendre lui quelque part là. Chargeur, ok. Avec la musique, vous l'entendez pas, mais en gros, il y a un mec juste à ma gauche, quoi. Et je le vois, lui. Et putain, super, ça compresse. Attends. Genre, ok. Tu vois, là, on le voit ici à gauche, là. Ça, c'est un PMC, il a un Yulak, on dirait. Et là, il y a un type et il y a un pote à lui juste derrière, en fait. Voilà, il y a son... là, il s'écarte, on le voit là. Et il y a lui, ici. Tu vois, il y a lui et lui. Et genre, regarde, genre, fat sac à dos. Ça, c'est l'armure, là, c'est la forte. Genre ils sont stuffés quoi.
Je l'ai pas très très bien visé, mais il était immobile, donc je me dis, je vais en prendre un, quoi. En fait, je vais mettre une ou deux balles, pas beaucoup. Pour moi, on peut refaire la même chose. Je pense pas que j'ai mon scav dans 3 minutes. On va refaire la même. Je vais aller avec ça, en fait. Je vais aller avec ça. Ouais, je vais partir avec ça, je pense. Par contre, j'aimerais bien avoir... ouais, bon. En vrai. Ça me fait juste pas pouvoir le mettre ailleurs, ce handpack, quoi. Ah, bah si, je peux le mettre là. D'ailleurs, je vais pas mettre le handpack, en fait. Je déteste le handpack. On va mettre l'autre. Vraiment, on a un triple ici. Ouais, voilà. On va mettre une X400. Ça, c'est big, ça. Et je vais la mettre à gauche. Moi, je préfère à gauche. Voilà. Et en armure, on va faire bing, bing, bing. Je vais même faire bing, tiens. Voilà. On va prendre un petit masque. Tac. En chargeur, on va faire 1, 2. Je pense que c'est assez, 3 chargeurs. On a une armure. On va prendre un gros rig, genre ça, pour bien looter. Et comme balle, unload. Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que là, on a quoi? 856, 855 et de la A1. Je vais prendre de la 6, je pense. On va faire ça. Toi, tu vas quand même te delete, je m'en fous. On a que 30 856. Attends. On a 153. Pourquoi il les prend pas? Elles sont found in raid ou quoi? Ah, elles sont found in raid. 856. Et on va prendre un peu de 855. En réalité, je suis en train de me demander si en faisant ça, j'ai 90 plus 60 de réserve. En vrai, je vais quand même faire ça. Je vais même faire ça, tiens. Hop. Hop. Voilà. Et en gros, dans mes beaux chargeurs, je mets de la 6 et dans mon chargeur de merde, je mets de la 5. Tac. On va repair. Et alors, il me faut du soin. Il me faut pas de bouffe. En soin, on a ce qu'il faut. Mais j'ai quand même envie de prendre juste ça et ça. Ça, c'est pour enlever un bleed en courant. C'est le minimum. Et ici, on a quoi là-dedans là? Ah, bon, on en a encore la 856. Hein, tiens. Parfait. On va faire ça. Tiens, et c'est quoi la différence entre celui-là? Il a moins 3 et celui-là? C'est la même chose en fait. Quoi la différence? Ah, c'est vraiment pareil quoi. Moi je pense qu'on peut rester comme ça pour l'instant. Et juste on va remplir ici. Ça, on vendra plus tard. Je sais que la warmage c'est nul et que je dois la vendre au marchand. Juste la flemme là. Ça part ici. Et en vrai ce modding là il est vraiment pas sérieux mais... on va le garder pour... Ah, je peux pas mettre... plutôt que mettre ça... Mettre ça ici sur le MPR. Ah si, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est beaucoup mieux déjà. Est-ce que je peux aller l'essayer rapidement? Ciao, prochain zombie, bonne soirée. Enfin, bon après. Merci pour le follow. On va juste craft ce qu'on peut craft déjà. Ah, mais ça j'ai pas envie de le faire avec une batterie vraiment, je pense. Normalement, j'ai mon stand de tir tout pourri là. Je peux venir ici. Bon, ça c'est assez. Ok, et donc par contre, il n'y a pas le switch scope. J'ai pas le raccourci donc faut aller le faire. Faut bien d'aller vérifier. Switch between sights, c'est ceci. Oula, oula, oula. Hide out. Enter. Ok, là on voit bien. Ok, c'est correct. Mais par contre, mon tactical...
Ok, je pense que c'est bien comme ça. Bon, du coup, on peut refaire un scav. On va vite faire un scav. On va retourner sur Interchange. Salut Shepard. C'est pas tous les objets des marchands qui sont identifiés? Non, je pense pas, Kikak. Mérine, des news pour une 1.0. Désolé, je mets une heure à répondre sur le chat YouTube. Je suis vraiment désolé. On sait juste que c'est objectif cette année, mais on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. Merci Manson, ça fait plaisir. Zizi couteau, c'est ça. Non, j'ai accès à rien, hein, j'ai accès à rien. J'ai tous les marchands niveau 1 et j'ai pas le market. J'ai accès à rien. Alors ça pour moi, c'est une bonne arme. Hein. J'exagère un peu, mais... Après, on voit le ressort, c'est quand même un peu cheap. Hein. Salut Mathieu. Tiens, je vois un truc. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, la 216, elle est intéressante en vrai. Je jetterais bien le chargeur là, parce que c'est 10 balles sur 2 cases. Ça rend pas ouf. On va d'abord aller voir les bitcoins. Mais ouais. C'est la playlist Epidemic Sound, les gars. Je choisis pas. Enfin, si je choisis un peu, c'est mon stream, mais je choisis pas, tu vois ce que je veux dire. Putain, ma super AKSU qu'on avait trouvé sur un mec là, je suis un peu triste. Ouais, on n'a pas d'iskra là-bas. Ça remonte tes souvenirs innocents, ok. On en est où là? 21 minutes. Mais l'alarme est allumée donc ça... Ah, ça c'est un scav ou un PMC ça? C'est un scav qui a trouvé un PMC. Hello! Hello, my friend. Anything good? Oh, sorry? Anything good around? Like a body or something? I don't know. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça a l'air dangereux, quoi. On en a besoin, mais on l'a déjà, je pense. Ah merde, putain, Fuck, je me suis trompé de bouton, j'ai pas enlevé le bon bouton de chat. Ok, Je me suis trompé de bouton quand j'ai refait mes touches. C'est bien ça, et ça, c'est ça. Ça, je garde. 30k, c'est déjà bien. C'est de la ultra nozzler, ça. Ouais. Et donc, toi, ici, on va faire ça. Et je pense qu'on va faire ça. Le LK, il est aussi grand que ça, mais tourné, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, là, on a déjà agrandi notre rig, c'est bien. On a un peu plus de place. On va pouvoir un petit peu looter. Madre de Dios, calmez-vous. Encore un petit plug pour la quête. J'ai pas de casque 2, donc c'était vraiment tout prêt, quoi. Je crois que quelqu'un est déjà venu, chat. On va préférer la planque. Alors moi, j'aime beaucoup Woods et Interchange. Et Customs. Pas forcément dans cet ordre-là. Mais c'est les trois maps que j'aime vraiment tout le temps bien jouer. Ensuite, après ça, ça devient compliqué de faire un classement parce que c'est un peu toutes des maps que j'aime pas trop. Mais Lighthouse à la limite.
Pourquoi pas? Il a une armure, lui. Mais je peux pas la prendre. Lighthouse, sinon réserve, je suis pas fan. Putain, on trouve beaucoup de cash, quoi. Réserve, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Streets, pas fan. Shoreline, je déteste. Ah, Factory, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Factory. Ok, et là, c'est la partie en fait où ça me fait un peu chier, quoi. Est-ce que je peux faire ça plutôt? Plutôt faire ça, je pense. Je crois que ça, comme ça, c'est mieux. Est-ce que commencer avec les VPO, c'est viable? Moi, je suis vraiment pas fan du VPO, les gars. Pour moi, tu veux un truc qui a quand même une, un peu meilleure cadence, quoi. Enfin, après, non, parce que dans les VPO, si je me trompe pas, t'as des AK aussi, non? Ça fait longtemps, je me souviens plus tout exactement. Allez. Il lui manque encore quelques ampoules, donc on n'est pas là pour rien, même s'ils ont tout looté. Lab, j'aime pas. Non, pas trop. Après, il y a les raiders, c'est cool. J'aime bien les raiders sur labs. J'aime pas labs parce que... t'as le souci de la population labs plutôt, quoi. La map est chouette, mais la population ne l'est pas. Et du coup, bah, j'aime pas trop la map, mais réellement, c'est pas la map le problème, quoi. Je suis surpris qu'il y ait des trucs qui soient pas lootés là, quand même. Le LCD, ça vaut un peu de cash. Pas insane, hein. C'est genre 20k sur deux cases. C'est même vraiment pas ouf, mais... C'est quand même non négligeable. Déjà plein? Ok. Wiwoo. C'est le Wiwoo chat. Ça, vous reconnaissez. Attends, c'est un SSD, ça? Non. Ok, on se casse. Plus sur le PVP short, bah... C'est un scav, ça, hein. Go. Le PVP, c'est pas que ça m'ennuie, mais c'est le PVP Giga Chad Ultra Chad slash cheater, et tu sais jamais trop déjà lequel c'est. Et c'est que ça, quoi. Et je me dis, je préfère faire ça sur Factory, moi. Je trouve que Factory est plus fun pour ça. J'aime bien la verticalité de Factory qui est un petit peu aussi. Et elle est beaucoup plus petite. Donc, je sais pas. Ouais, puis j'ai pas que des bons souvenirs sur Labs. Et donc, ouais, ça m'a... J'ai toujours été un peu refroidi de cette map. Genre... ouais, je sais pas. J'aime bien me dire, voilà, j'ai fait 4-5 kills. Et la map, elle est clear, quoi. Il y a plus ça sur Factory, évidemment. Alors que sur Labs, tu vas faire 4-5 kills. Déjà, tu sais pas tout looter parce qu'il y a trop. Et c'est toujours pas fini. C'est un peu comme Shoreline au final. Bien que Shoreline, ça arrive quand même qu'une fois que t'es clear, ce soit vraiment clear. J'ai déjà fait des parties Shoreline où je crois on avait 6 kills et puis on n'a plus croisé personne. Alors que j'ai des souvenirs distincts sur Labs d'avoir quand même fait 5-6 kills et d'avoir encore dû tuer des PMC après et finir par mourir. Et c'est un peu... C'est la life, mais... Non, je sais pas. J'aime pas trop le PVP sur Labs. Y'a pas... Je sais pas si j'ai envie de looter ici, parce qu'en fait, vraiment, tout ce qui spawn là, ça m'intéresse pas trop. J'ai envie de faire des ordis, quoi. Vu que j'ai plus de slot carré, en plus, je pourrais pas prendre de fuel, pas prendre de moteur. Pardon. Donc réellement, des wires, ça me suffit, quoi. J'ai des chargeurs dans le deuxième ring? Ah ouais. Y'a pas eu de wipe, non. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bah on va... Ouais, j'aime pas mettre du 1 case dans du 1 case. Et en plus, je fais ça à l'envers.
Ça, je peux looter ou c'est vraiment l'étagère qui est buggée? Ouais, c'est l'étagère qui est buggée, quoi. Faut vraiment être tout prêt, ok. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est curieux. J'aurais pas eu ce que dire, c'est intéressant. On voit déjà mieux, hein. Entre hier et aujourd'hui, j'ai augmenté mes postes fixes et la luminosité. Et en plus de ça, ils ont aussi changé la map. C'est principalement ça. Ça sent le toolset. Ouais, non. J'ai plein de trucs à virer dans le rig du bas, on va faire ça. Y'a rien. On va faire les ordi puis on va sortir. Ils ont changé quoi? Ils ont juste mis de la lumière dessus quoi. Littéralement, il fait plus clair, c'est tout. Tout le temps. Il fait pas tout le temps clair. Quand il fait nuit, il fait quand même sombre. Mais il fait plus clair qu'avant. Ça me gratte d'un coup. Aucune idée, Lem. J'ai pas vu ça dans les patch notes. C'est des petites patch notes, hein. Vous pouvez les retrouver, à mon avis, sur le launcher. Et vous pouvez les retrouver ou simplement sur internet. Et vous avez vite été fixé de savoir ce qu'il y a dans les patch notes. Mais c'est pas. J'ai pas l'impression que ça ait parlé des boss dedans, quoi. J'ai vu qu'ils ont fixé quelques bugs. Ils ont enlevé les limites marchands. Mais grosso modo, c'était un peu les seuls trucs à retenir, quoi. Bon, là, on va faire de la vraie place, maintenant. Tac, tac, tac. Oh. 18 balles, c'est un peu pousser mes mains dans les orties, quoi. On va faire ça. Parce que si les orties sont pas faits ici, il y a un monde où je pourrais faire... Attends. Je n'ai déjà là-bas. Il y a un monde où je peux faire toutes les rooms en étant tranquille. Bon, je vais faire gaffe parce que du coup j'ai que 10 balles quoi. J'ai plus de chargeur sur moi, j'ai plus rien. De toute façon, si je croise quelqu'un qui veut me buter en vrai avec le stuff que j'ai, c'est pas comme si avoir 150 balles de plus ça changeait quelque chose. J'ai pas de casque audio, pas de viseur, pas de cross, rien quoi. Je vais même pas les prendre les caps, je les prendrai plus tard. Il y a pas de PC là? C'est un truc de ouf. Ça, c'est mes deux caps. Bah, je vais les prendre du coup. Ok, il y avait un PC ici. Donc, dans la pièce suivante, j'espère qu'il y en aura 40. Il a mis le changement des spawns des boss. Ah, bah alors, c'est qu'ils ont fait des changements. Ouais. Après, s'ils précisent pas lesquels, je les connais pas moi. Je peux pas te les donner. Faire ça. Ah ouais, si, il y a déjà plus d'ordi quoi. On va peut-être virer les caps du coup. Pour prendre le futur GPU qui arrive. Là, je l'ai jinx, là, je l'ai jinx. Ça, c'est déconné. Là, je l'ai jinx. J'ai besoin de beaucoup de wires, mais est-ce qu'il m'en faut quand même? Non, ok. Battery. Non, ok, on va sortir comme ça, je pense, c'est très bien. Faut pas plus, les gars. Il faut vraiment pas plus. Si tu fais un run comme ça, une game sur deux, tu finances tout ton compte forever sans même avoir de hideout, quoi. Comment vous allez, le chat nous demande Yumaking. Oh, Rinox, tu voulais confondre contre un petit... Bon, jeune homme. Hey, on serait pas en train de faire un petit scarf sur Interchange? En train de ramasser les ordinateurs, trouver des cartes graphiques. Il me semble bien que si, hein. Bon, tu vois. Et bonjour, Yuma. Je rejoue. Bah oui, attends, t'étais déjà venu depuis. Sois pas surpris, je t'ai vu cette semaine. On a fait du Tarkov cette semaine, t'étais là. Je t'ai vu, fio. Je t'ai bien, bien vu. Donc là, Road to Extract. Et puis on retourne sur Woods pour des iscras et des morphines. Hein.
Enfin, on va y aller avec un SKS. Salut Serlou. Salut Steak. Ça va, fatigué aujourd'hui. Fatigué, fio. Ah. Pas des masses discrètes là-dedans pour l'instant. Putain, mais il y a un gun complet là-dedans. Le col s'appelle Miu Miu. S'appelle Miu Miu. Meo Meo. C'est pas mal. J'ai envie de prendre l'ARE juste pour foutre mon... Pour mettre ça dans ma M4, quoi. Attends, mais je peux faire ça en plus, non? Can be ball et Nidred. Non, mais je suis sûr que ces deux pièces-là sont compatibles, hein. C'est 4 cases, quoi. 1, 2, 3. Il y a un mec derrière le bus, là. Non? Ok, my bad. On s'en va. New streamer item. Meo meo. Je dis, ouais, c'est pas pareil. Mais j'ai aussi fait du PZ, j'ai fait plein de trucs. Ah, merci Steak, ça fait plaisir. Bah le Golden, non, il s'appelle Golden TT, c'est tout. En vrai, ça serait fun d'avoir un streamer item, c'est un gun, quoi. C'est pas déjà le cas? Non, c'est pas le cas, il me semble. Je pense pas que ce soit le cas. Là, à mon avis, on a quand même de quoi faire un craft dans le hideout, mais on va pas le faire tout de suite. Regardez la clé ici. Vraiment, je vais chercher, quoi. C'est incroyable, ça. Ça, on va vendre. Ça, ça part pour les quêtes après. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, c'est déjà plein? Oh, chat, c'est déjà plein. It is already plein. Tout ça, on garde, tout ça, on garde, tout ça, on garde, tout ça, on garde. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va juste vendre les 3 LCD. Hop. Et puis, on va sortir tout ça à la main. Ok. Oh. Ouh. Une fois là, 1.0, il y aura toujours des wipes. Ouais, il y aura toujours des wipes, Mathieu. Pardon, je t'ai pas répondu tout de suite, désolé, je suis vraiment à la ramasse. Mais oui, il y aura toujours des wipes, si t'es encore là. Il y aura deux comptes, un compte avec et un compte sans. À qui est-ce que je vais vendre ça? Vendre un peu à Skier, il me semble, hein. Ça part. Oh, il y a des bonnes balles là. Non, on va pas le vendre tout de suite. Je pense que les Ushankar, j'en ai déjà 40. On a pas besoin de... Ça, je vais jamais jouer avec. Ça, je vais les dépenser. Ça, c'est la K de la mort. On la garde, mais pour le style. Celle-là, elle est pétée. Oh, vas-y, on s'en sépare aussi. Ok. Et ça, ça part. Ok. On a de la place, chat, on a de la place. Alors, maintenant, on va essayer de partir sur Woods avec ça. Je pense qu'on a... On a de quoi looter, là, on a de quoi looter. Woods. Et donc, on tue des scaves, on trouve des iskras, et on trouve des... Des morphines, et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, les gars. C'est tout ce qu'on veut. T'as la clé de 206? Non, mais je finirai par l'avoir, t'inquiète, je l'ai quasi, hein. Il suffit d'avoir 7 pile of meds. Et tu peux les changer. Et les pile of meds, tu peux les crafter s'il faut avec des fromages. Et les fromages, tu peux les acheter. Donc réellement, je pourrais l'avoir si je veux. C'est juste que là, je le fais pas vraiment, quoi. Et Nuka ! Merci pour ton double gift, merci beaucoup, ça fait super plaisir, merci beaucoup Nuka. 165 Hz de sub, ça fait 375 000, quoi, j'ai pas calculé,
Merci beaucoup, Nuka. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je dépense toute mon énergie pour penser à toi et te dire que je t'aime, Fion. Merci beaucoup. Et sache que j'en ai pas beaucoup de l'énergie. Et on est stylé, hein. On dirait pas qu'on est level 12, hein. Bon, y'a rien qui est à nous, on a tout piqué à quelqu'un, quoi. Ce sac-là, il vient d'Interchange. Ce truc-là, il vient de Customs. Ça, il vient de je sais pas où. Je devrais mettre 240, mais c'est moins classe. Non, je suis 165. Moi, je suis 165 ici, hein. Donc y'a pas de soucis. Je suis en train de me demander où est-ce que je peux avoir mes Iskra. Réellement, je suis obligé d'aller faire toutes les boîtes dans le FOB et les boîtes dans les camps médicaux. Et c'est là qu'il y a tout le PVP, quoi. La classe, la M4, c'est la M4 shop mode de base, là, que tu peux avoir en barter ou que tu trouves par terre, parfois. Ou dans les boîtes. Salut, Bertug. Ah oui, forcément. Ouais, 240 Hz, pff. Moi, je voyais la différence entre 144 et 60, forcément. Je vois un peu la différence quand même aussi entre 165 et 144. Mais je sais pas si je verrai la différence entre 240 et 165. Salut, Tira. Tu vois pas la diff. Bah ouais. Par contre, ta conso, elle voit la diff, quoi. C'est que ton GPU, il bosse quand même plus pour générer autant d'images. Et du coup, ton alim aussi. Du coup, ça... Bah, ça use entre guillemets plus vite ton GPU, ça consomme plus d'énergie, ça coûte plus cher. Et si tu vois pas la différence, c'est un peu la loose, quoi. Enfin, la loose, non, c'est pas la loose, j'exagère un peu, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que je referais pas un petit concours? Je réfléchis, tiens. Un petit concours Tarkov comme on avait fait il y a quelques années. Ça pourrait être fun. Une saison 2 de... Montrez-moi vos meilleurs skins, quoi. Bah, si t'as un PC, enfin si t'as un écran en 240 Hz, t'as intérêt à avoir le PC qui va avec, ça c'est sûr, quoi. Parce que sinon ça perd vraiment de son charme. Sur Tarkov, tu sais pas. Ouais, mais après Tarkov, je crois qu'il est même pas capable de te donner les frames. Je suis même pas sûr que Tarkov aille aussi haut dans l'absolu. Mais je suis sûr que sur Rocket League, tu les as, quoi. Ou sur CS, ouais, tout à fait. Oui, sur CS, moi, j'avais déjà 300 FPS, même il y a 5 ans, il y a 10 ans. Hein. Le jeu est vraiment pas gourmand. Je m'en fous l'auto. On met le laser. Attends, où est-ce que je suis, là? Where the fuck am I? Oh, on est au camp, quoi, c'est ça. Putain, c'est un fat spawn, ça, hein. Super chat. J'avais oublié cette histoire. Putain, mais le camp, il est juste là. Faut que je perde la concussion. Tant que je l'ai pas perdu, si j'en prends une deuxième, je meurs, je pense. Vraiment, c'est que les cailloux, je pense, hein. Je crois que même là, je pourrais déjà commencer à monter. J'ai venu 40 fois ici, en montant ici, j'ai jamais eu de problème. À mon avis, j'ai dû choper l'extérieur des mines. Hein.
ça la dégage. Hein. Il m'attendait, hein. T'as vu te ramasser de l'index? Ouais. Yo, Art. Je sais pas, Tira. Ici, moi, je les ai découverts avec, depuis que j'ai repris la semaine passée, quoi. Ça, j'aime bien, par contre. Il savait que j'étais là parce qu'il m'avait entendu me prendre la mine. Il était déjà en ADS quand je me suis relevé. Ah, il est niveau 50 quand même. Pas là pour enfiler des perles le type. Ah, il avait déjà looté quoi. Ah ouais, my bad, attends, my bad. Pardon. On venait pas dans le même but, nous, hein. Mais attends, il a plus de casques que moi? Non, j'en ai plus, hein. 20, 18, mais ouais, je reprends mon truc. 6, 5. Par contre, je peux faire ça. Et ici, on va faire ça, ça. J'ai très envie de prendre le mécanisme, mais je vais pas le faire. C'est con, attends. 32. 24, my bad, je le fais tout de suite. Streamer kit, bah c'est juste qu'on est en fin de wipe, tout le monde a du stuff comme ça je pense hein. Enfin tout le monde. Je vais plus souvent croiser des niveaux 40 que des niveaux 7 hein, ça c'est sûr. Et une première morphine. Ce qui est un peu chaud c'est que je suis en surpoids de ouf quoi. Et c'est un peu compliqué pour moi de me séparer de tout. Parce que j'ai pas de balles de SR25 de réserve. Donc je dois absolument garder mon M4. J'ai 3 chargeurs de 25 et c'est tout quoi. Donc je peux pas me séparer de mon arme. Juste parce que j'aurais besoin de ça pour tuer des gens. Alors ça c'est big. Un iskra et une morphine. Je parie que j'ai l'extract outskirt en plus, faut faire attention les gars. Plus joli qu'avant. Il a pas changé à ce niveau là. J'ai bien outskirts, on va vérifier. J'ai pas outskirts aujourd'hui. Ok, j'ai le même spawn que la fois passée où on a dû traverser la map pour rien. Bon, tous les ledex là. C'est ça que vous voulez voir, vous, ici. Hein. Encore un item là, quelque part. Mes tools.
Il y en a un item ici, j'ai vu mon... Il y a le Met Tools là, mais il y a un truc ici quelque part. Non, ok, on s'en fout, on se casse. Il y a une Navy là, mais... On m'en fout un peu de la MP5, non? Elle a déjà 40 à la maison, en fait. Je crois qu'on va jouer avec, tiens. Une MP5, c'est une bonne arme un peu de... Un peu cheap pour un kit surprise. Oh my my. Le MP5 c'est factory. Ouais, c'est vrai que ça marche bien là-dessus. Y'a rien de ouf là-dessus, hein. Ok. C'est un 12K ça. Ah non, c'est 74. En vrai, ceux-là, je vais les utiliser, donc je les prends. Et là, je dois un petit peu faire le point, quoi. Ça, je le garde. On essaie d'optimiser la place, les gars. Et ça, c'est... Non, ça sera pas compatible. Moi, ouais, je peux pas vraiment faire mieux que ça. Du coup ça, quoi. Là, je suis un peu embêté, c'est que je suis vraiment en surpoids de ouf. Le roi belge sur Woods. Je sais pas si je suis roi, mais je pense que je suis belge, hein. On gagne pas en stam, on perd en stam. Parce que là on est déjà fat en surpoids, quoi. Je vais aller passer au campement parce qu'il peut y avoir des morphines là aussi. Donc là je gagne pas de stam en marchant. Ok. Faut faire de la place autrement. Tout ça, je veux garder, quoi. C'est un objet de streamer, ça, non? Ok. Je pense que ça, c'est un peu plus proche déjà de la réalité. Et on perd de la stam. Salut, Jérémy! Ça pour les barters, ok. Alors je m'en sépare. Là on est content du kit, on n'a pas besoin de plus pour l'instant. En vrai si je trouve une morphine, ça vaut la peine de déjà partir maintenant. Rien que un Iskra et une morphine, c'est déjà deux objets de quête. Hein. Pas un peu chiant mais qui nous bloque un peu là ces derniers temps. Oh let's go. Quelles sont les chances qu'il y ait un type dedans? Yo! J'aimerais bien que tu t'arrêtes deux secondes, s'il te plaît. Ouais, pff, ok. Ah, je regagne de la stam depuis que j'ai viré le buckwheat. Alors, what can you do? Move item to stash. Bah genre, tu vas prendre ça. 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 Ok. Take a ride.
fuck, je connais pas les noms quoi. Ok, là il veut nous emmener. Ouais, j'ai l'argent. Mais il cover fire. Voilà, et là il me cover là. Ça c'est bon chat, ça c'est très très bon. Ça c'est très 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 bon. Par contre, j'aimerais bien avoir une vue un peu différente de ça quoi. Ok. Là on a fait de la place les gars, là on a fait full place. Et je suis très content. On est plus qu'à 42 kilos. Et il nous protège, ça c'est bien. Ça donne combien? Ça donne 30 de boissons et 8 de bouffe. Je le consommerai plus tard ce truc là. Bon bah du coup les gars, moi je pense que ça part sur ça quoi. Je peux pas l'envoyer, j'avais une limite d'espace. Non, il dépose pas toujours au même endroit. Enfin, il y a genre 6 spots sur la map et ces 6 spots sont toujours les mêmes. Et donc si le mec sait que j'ai acheté le BTR pour aller à machin, en gros si tu lui dis va à Emmercom, il va toujours s'arrêter au même endroit à Emmercom. Il va pas forcément aller à Emmercom à chaque fois. Jusque là je l'ai payé pour aller là parce que je veux extract. Je pense. D'où le cover fire, ouais. Ah ouais, non, mais là, ici, s'il croise des PMC, il tire. Hein. Normalement, s'il croise des PMC, il tire, là. Donc, potentiellement. Parce que là, en gros, il m'amène à l'extract. J'ai déjà sorti mes objets de quête, donc c'est bon. Si je meurs, je perds que mon stuff, je perds pas mes objets de quête. Et s'il y a des PMC, potentiellement... Il va les tuer, je les loot et je suis déjà à l'extract quoi. Ça c'est bien. Et surtout je traverse la map en 2 secondes quoi. Par contre ouais, on est un peu... Moi j'aimerais bien pouvoir voir ce qui se passe dehors quoi avant de sortir. Là j'ai tout acheté quoi. Je peux rien faire. Apparemment on monte. Ah. Potentiellement un petit kilo BTR. Ça me convient chat, ça me convient. Après si le BTR tire, les gens savent que j'ai payé le truc. Et du coup s'ils le suivent, ils savent que je... Ils savent que je suis dedans quoi. Ok. Bon les gars. Where the fuck am I? Ah ouais, on est vraiment au camp Youssef quoi. Au camp Youssef, au camp Bon bah j'ai remboursé une partie du truc là déjà. De la Warmage, ça je pense. Et donc ici je pourrais avoir un autre Iskra et une autre morphine si je me fais pas buter quoi. On va faire un peu attention. Ça a pas l'air d'être full looté en tout cas. Apparemment il y a plusieurs places. Bon, pas de morphine pour l'instant. J'en ai besoin pour ma 206. C'est juste de la thune.
Ah, je suis. Bon, vas-y, tant pis, on va la looter, mais. J'aime vraiment pas looter ce camp, je me sens toujours en danger. En vrai, je pense pas avoir besoin de ça, ni de ça, ni de ça. Il y a vraiment énormément de boîtes dans ce camp et je trouve que t'es vraiment exposé. J'ai... Ok, je vais pas vous dire ce que j'ai cru que c'était. Mais on aurait dit la première note de Benny Hill. Vous voyez, c'est quoi la musique de Benny Hill? On aurait dit ça. Mais du coup là, le cover fire, est-ce que quelqu'un sait s'il le fait toujours pour moi? Est-ce que s'il se balade dans la map et qu'il croise quelqu'un d'autre, il va le buter quoi? Parce que là sur le chemin il a fait un kill, hein. Si je connaissais le chemin je pourrais essayer d'aller retrouver le cadavre. Enfin il a fait un kill, peut-être pas mais il a tiré en tout cas. Ah merde, quelqu'un a clairement looté ici, il a visiblement jeté du stuff quoi. Il a jeté une grenade, un truc, ouais donc ça sera assez looté ici. Ouais c'est ça, en gros tu prends le cover fire pour être sûr qu'il y ait personne qui te campe quand tu ouvres la porte. Ou qu'ils te suivent sur le chemin, mais là maintenant c'est fini, ils me cover plus quoi. Ça a du sens, hein, ça a du sens qu'ils me cover plus maintenant. Parce que sinon ça veut dire que le premier qui trouve le BTR en gros, il est un peu immortel quoi, autour du BTR. Ça il en faut pour un craft, enfin pour le hideout. Là vu que maintenant on part sur une extract, je vais me charger un peu plus que ce que je voudrais. Juste parce que c'est bon, on y est quoi. Enfin on y est, pas mais... Juste la 5.45 US peut-être pas quoi mais... Hop. Là une morphine et un iskra et je suis heureux quoi. Il nous manque une morphine et un iskra en plus. Vu qu'on a, il nous en manquait deux de chaque et qu'on en a trouvé un de chaque. J'ai très envie de sortir le kit, c'est pour ça que je prends pas trop de risques d'aller à la sawmill. Je trouve que c'est déjà risqué d'être venu ici. Oh les strikes. J'ai pris des extensions. J'ai pas encore rattrapé, non je pense pas, je suis niveau 11. Qu'est-ce que t'appelles des extensions, Yuma King? Enfin, j'ai rien appris donc je pense que la réponse est non quoi. J'ai fait celle-là ou pas? Ah non, j'ai encore rien pris, non. J'ai rien pris du tout. Ok, on n'aura pas eu d'iskra, on n'aura pas eu de morphine, mais on aura tout looté. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai deux fils l'extract, mais est-ce qu'elle est ouverte? Je pense pas qu'on puisse le voir d'ici chat. Please sois ouvert quoi. C'est tellement fermé chat. On va devoir aller à Factory là-bas en face. Il devrait push les bouts, c'est 200k. Ça change rien. Je peux push, tiens. Mais de toute façon, si je meurs, il sera pas fort en Inuit, donc ça change rien de le push. Et je vais probablement le vendre à Jaeger de toute façon.
faire des prisonniers, ce serait déjà ça. Oui, c'est vrai. Pour ça, il faut que je fasse le hideout. Pour l'instant, j'ai encore quasi rien mis dedans. Il kidnappe un Scavia dans le FOB. C'est chaud parce qu'il est ennemi avec toi, du coup. En vrai, c'est marrant à essayer ça. De se faire push par une IA pour extract ensemble. Bordel. Les petites branches qui m'empêchent de passer. On est gros, chat. On est plus qu'on était. J'ai un peu la maxi flemme d'arriver jusque là-bas. Des fois, j'aimerais bien avoir un cheat pour me TP là-bas. Quitte à ce qu'ils mettent 3 minutes d'extract, juste pour pas marcher, quoi. Ah, c'est marrant, Boris. Bah quoi, ils ont deux stacks de 20 dans les poches. Parfois, ils ont un troisième stack à moitié rempli, plus les 8 dedans ou les 6 dedans. C'est une cinquantaine de coups, ça se fait, quoi. En vrai, si t'as une visière, c'est même zéro risque. On n'a pas encore fait d'extract duo maintenant que j'y pense, ce wipe-ci. On a même fait très peu d'extract voiture en vrai. Oh, la petite 206 là-dedans, ça me ferait plaisir quoi. La clé la plus commune du jeu, j'ai toujours pas eu quoi. 206, Apollo. J'ai un souvenir que le voodoo était dur à obtenir maintenant. Le viseur que j'ai là, on peut plus bêtement l'acheter, c'est skieur, je crois. C'est le cas ou pas hein? Je sais pas. Pour savoir ce que je mettrais sur mon DVL à l'avenir, quoi. Parce que un jour, on va reprendre le Sniping Woods au DVL. Hein. Ah, mais ça a changé ici. Enfin, j'espère que j'ai l'extract. Factory. Attends, mais c'est ici normalement. Je suis pas à l'aise de ce panneau là quoi. Chat, ça a changé ou pas ici? Non, c'est bon, ok. Sur le marché, c'est 200. Ouais, mais tu peux l'acheter chez Skieur, je crois, non? C'est lui le belge. Mais non, c'est un trade contre 2 GPX. Ah, c'est marrant. Oh. Bon, bah c'est bien. On a validé la quête assez vite. On a tué un mec niveau 50, le pauvre. Grand désarroi pour lui. On n'aura croisé aucun scav par contre, vous avez remarqué ça? Genre, aucun scav on a croisé. On est censé en tuer 15, on en a croisé 0. Alors qu'on a quand même traversé. On a fait le camp Youssek, on a fait... On n'a pas fait... En fait, on n'a pas fait de gros spawn scav maintenant que j'y pense. Hein. On a fait toute la map en BTR quoi. On aurait dû tout traverser avec le sac à dos qu'on avait, ça nous aurait mis une heure et demie les gars. On serait encore dans le raid maintenant. On n'aurait peut-être même pas extract. Alors que là, on est bien. Et du coup, maintenant, chez Jaeger, je peux remettre... Pourquoi je l'ai pas? Il est ici ou quoi? Où est-ce qu'il est, le stuff que j'ai envoyé en BTR, chat? Salut, Sci-Fi! Tu dois attendre? Ok, je savais pas. Ok, parce qu'on a en gros un... On a un Iskra qui arrive, donc il nous manque un Iskra. Et on a un... Ouais, ça, il nous manque un Iskra et un truc. Ok, c'est ça. Toujours pareil. Toujours pas de 206. Et on a pas trouvé ce cave. On a juste pas trouvé ce cave. Donc pour moi, on ira sur Woods faire la même chose et essayer de retrouver un Iskra. En fait, si on fait le même run une deuxième fois, on aura de nouveau ce qu'il nous faut. On pourra faire les 12 caves qui manquent. Et puis, on fera beaucoup plus de customs pour la suite. Jusque là, j'avais envie de sortir vu qu'on avait quand même trouvé un... On avait quand même trouvé un bon kit, quoi. Le mec nous a donné du chouette stuff, on va pas se mentir. La Defender, elle est bien aussi. Elle est un peu lourde pour nous. Mais le Sordine, par contre, on va bien le garder, quoi. Oh, on lui a fait un head ice, tiens, on a pété ses lunettes. Ça, c'est pas mal. Bon, les gars. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Comment vas-tu, Sangfroid Fouillon? Ça va très bien. T'auras un message BTR Driver qui te filera ça. Ok, super. Bon, on trouvera ça demain. Moi, je vais vous laisser ici pour l'instant, les gars. Parce que j'ai
des courses à aller faire, du sport à aller faire, plein de choses à aller faire. Donc, regarde s'il n'y a pas un truc qui est connecté. 6-4, il est connecté. Je vais vous envoyer chez 6-4, les gars. Je vous envoie chez lui. Slash Red. Restez 2 secondes pour dire bonjour. Vous connaissez la routine. Vous savez comment ça marche. Je vous fais plein de bisous. Du coup, le plan. Déjà, 1, musique. 2, scène. Voilà, c'est la fin du stream pour aujourd'hui. Comme vous le savez, on stream à temps plein maintenant. Ça y est, c'est notre boulot, c'est officiel. C'est vraiment indiqué sur les papiers de la commune et de tout le monde est au courant. Et donc, on stream tous les jours de la semaine. On fait du lundi au vendredi. Et on fait ça en après-midi. Les horaires sont pas encore gravés dans la roche. Mais du coup, voilà, sachez-le. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à votre famille. Parlez-en à votre grand-mère. Parlez-en à tout le monde. Puisqu'on revient dans le game de manière officielle pour du Tarkov et d'autres jeux. On va continuer à alimenter un peu à notre rythme, et tout seul la chaîne YouTube aussi, les chaînes YouTube. On a une chaîne Tarkov, enfin une chaîne FPS, et on a une chaîne RPG avec des jeux comme World of Warcraft, Diablo, etc. Donc voilà, ça c'est le plan. On est actif. Passez évidemment sur Discord, vous connaissez un peu la routine. Pour l'exclamation Discord, on s'était fait hacker il y a quelques temps, et donc vous avez tous été bannis, mais on vous a déban et vous pouvez revenir si vous voulez. C'est là que vous aurez des joueurs. Moi je vous dis au revoir, je vous kiffe. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain les gars. Ciao ciao. Ah oui, hein. On fait la vague ou quoi chat? On fait la vague hein. Allez c'est parti. Oh c'est beau ça. Ouh. Elle va bien aujourd'hui. Oh là là. Allez les gars, passez une bonne soirée, passez une bonne après-midi. Portez-vous bien, dormez bien. Dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Et moi je vous dis à demain. Bisous.